Et bonsoir à tous. Alors attendez 2 secondes. On change d'affichage. Voilà. Voilà. Alors attendez. Hop, je mets tout bien. Voilà, c'est bon. Ok, je vais lancer le jeu. Ah, ça y est, je suis bon. Bonsoir, Hero of Time. Ça fait très longtemps que je t'avais pas vu sur un live d'ailleurs. Je me souviens de toi. Ça fait longtemps. Bonsoir, Aikair. Bonsoir, Kaizord. Bonsoir, Karagan. Ça se dit, il faut dire bonjour, bah, donc bonsoir. Enfin, ça dépend sur quel fuseau horaire t'es. Selon le programme, le live ne se finit pas. Faudrait que je le mette, parce que sinon, il y en a qui vont me le rappeler. C'est la première fois cette année que je vois un live. Eh oui. Voilà. Est-ce que ça va? Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je suis un peu moins fatigué, j'ai beaucoup dormi cette nuit. J'ai fait quoi? 2h du matin jusqu'à 11h? Voilà. À chaque fois, il y avait un truc. Ah bah, c'est ballot, parce que j'ai quand même fait pas mal de live cette année et. C'est ballot. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde. Si, ça y est! Pour ceux qui étaient pas au courant, je vais partir au Québec l'année prochaine, durant le premier semestre scolaire. Donc fin août jusqu'à. Bah, du coup. Je sais pas trop, jusqu'à fin janvier. Et donc j'ai envoyé, ça y est, mon dossier. Il est parti. Il est parti. Et on verra ce que ça va donner, hein. Donc finalement, c'est pas l'école de technologie supérieure que je vais prendre, c'est Polytechnique Montréal. Enfin, que j'essaye. Parce que j'ai un pote qui s'est chauffé, donc on va y aller à deux. Ça va être cool. Enfin, j'espère. Il faut qu'on soit pris, parce que c'est un peu la galère. Donc voilà, l'année prochaine, ça va être compliqué pour les histoires de stream, tout ça, parce que je vais partir avec mon petit PC, donc pas possible. Et le Québec, voilà, Montréal, ça va être drôle. Voilà. C'est marrant, mais vous êtes tous dans les tons orange ce soir. Oh, de YouTube de Money direction le Québec. Ah bah non, justement, je suis obligé de le faire en fait. Je suis obligé d'aller au Québec. Enfin, obligé. Je suis obligé d'aller à l'étranger au moins 16 semaines. Du coup, j'avais le choix. Soit je faisais un semestre dans une autre école, soit je me tapais un double diplôme en fin d'études, donc en fait je fais une quatrième et une sixième année à l'étranger dans une autre école, soit je fais un stage à l'étranger. Donc pas trop le choix, j'ai pris un petit peu la solution de facilité, entre guillemets, parce que c'est. Je veux dire, il y a tout qui est fait, il y a l'école qui m'aide à trouver un logement, tout ça, on peut partir avec des potes, enfin partir avec des potes. On peut trouver des potes pour partir avec soi, du coup c'est plutôt pas mal. Moi qui aime pas trop partir, en tout cas pas tout seul, bah j'ai trouvé ça bien. Ça pourrait être sympa les études là-bas. Bah ouais, j'ai regardé, ça a l'air vraiment pas mal. Bon, certes, ça sera l'hiver donc on va être un peu enfermé, mais bon. T'as des bugs de co. Ah bon, des bugs de co, c'est sûr. Alors moi, j'ai aucun drop. La fibre, c'est cool. J'ai aucun drop, c'est bien. On est assorti à sa port. Je veux dire la couleur, ouais, on est assorti. Vous êtes assorti, ouais. Pas quelle couleur j'ai. Enfin voilà, donc on est là ce soir pour jouer à Baldur's Gate parce que je m'étais vraiment éclaté à la reprise du live la semaine dernière. On a fait ça la semaine dernière. Je m'étais vraiment éclaté, j'ai pas touché à la partie, donc on était dans les mines de Naskel. Et on essayait de découvrir qu'est-ce qui foutait la merde sur le fer. Donc voilà. À quand la religion du papillon? Ah, je sais pas trop quand est-ce que je reprends sport, hein. Je dois dire que. Pff, voilà. Pas tout de suite. Voilà, Baldur's Gate. Non, ça c'est Discord. Pas pareil. Baldur's Gate. Celui qui combat les monstres prenne garde à ne perdre. C'est parti trop vite. Allez, on se refait la petite intro parce qu'elle est vraiment badass.
Ah là là, cette intro, cette intro! Mes aïeux, c'est quand même vachement cool. Allez, on est reparti. C'était celle-là. Voilà. Simplement, celle qui s'appelle sobrement Twitch. Oui. Alors, on est parti sur ces facile. Cavernes. Sur ces cavernes, oh sur là ces là mines. Je suis si fatigué. Bonsoir, Anakin Gab. Mineur Gord, d'autres aventuriers, hein. À votre place, je partirai pendant que c'est encore possible. J'ai entendu des histoires terribles sur ce qui arrive à... J'ai cru qu'il y avait une faute. Sur ce qui arrive à ceux qui descendent plus profond dans les mines. Voilà, bon, du coup, j'ai cassé mon truc. Qu'est-ce que vous dites? La religion du papillon va envoyer des chenilles dans ton anus pendant que tu dors? Quoi? Vous êtes parti trop loin. J'ai en plus Anakin Gab qui vient d'arriver, il voit ça. Wouh! Tu verras aussi le Québec, les gens sont sympas, mais gaffe aux erreurs de langage, du genre on dit parking, mais parc à voiture. Ouais, je suis déjà allé au Québec en fait, j'y suis déjà allé pendant une colo de 3 semaines, je crois. C'était sympa, mais j'étais pas dans Québec, j'étais dans un parc naturel à côté. M'en fous, j'ai l'eau bénite à l'insecticide. Ça part trop loin. Alors, quoi, qu'avez-vous entendu? Eh bien, mon ami Ruffy en est tout juste sorti vivant. Des petits démons ont jailli des murs et l'ont pourchassé. Il serait mort à l'heure qu'il est si les gardes n'étaient pas arrivés en courant. Évidemment, ces gardes sont morts maintenant. Hé, bah oui. Le vieux Riffy est dans le coin, demandez-lui ce qu'il a vu, il vous racontera. Ça sent le vieux qui a perdu la boule, du coup. Je suppose que c'est toi, Ruffy. Mineur, Ruffy. Laissez-nous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons beaucoup de travail devant nous. L'eau bénite, c'est pour les couilles juteuses. Ok. Des démons, des petits diables sont partout, je vous dis, ils surgissent des murs, ils vont tous nous tuer. Il y aurait un portail vers un des plans inférieurs. Ce serait ballot. Il fait tellement sombre ici. Super contaminé. Et une tâche facile. Il fait tellement sombre. Enfin, ici. Si tu y vas, pense à faire des vlogs. Ouais, ouais, t'inquiète, c'est prévu. Hein. J'ai clairement envie de faire des vlogs. Faudra peut-être que je... Du coup, pour mon anniversaire en juin, là, je demanderai une petite subvention pour acheter un bel appareil photo et ça va être tranquillou. Parce que ça peut être vachement sympa, je pense. Oh, encore un dingue qui est là pour nous sauver. Allez-y, essayez donc de débarrasser la mine de ces choses diaboliques et vous y passerez comme les deux autres. Les deux quoi? Les deux aventuriers espèces d'idiots, vous pensez être les premiers à essayer de nous sauver, je parie que vous ne serez pas les derniers non plus. Ok, quick save. C'est quoi déjà? Y a pas de lien? Sauvegarde impossible, comment ça sauvegarde impossible? Voilà. Oui, oui, bien sûr. Donc là, ça passe pas. Un Hero of Time qui fait des blagues de merde, j'ai même pas envie de les répéter. Hein. Elles sont tellement horribles! Oula. Oh, je crois que je crache du sang! Les doublages, tellement bon. Une visite au jour glorieux, on en a pas beaucoup ici comme ça, vous pouvez l'imaginer. Allez-vous descendre dans les mines? Pourriez-vous rendre cette dague à Killy? Il l'a laissé tomber quand il est descendu l'autre jour et je l'ai pas vu depuis. Ben ouais, si tu veux, je pourrais rendre sa dague. Inventaire des plein. Donjons. Et cette obscurité où... est plaisante, mais peste-toi de l'humidité. D'accord. Alors, vous toi, êtes tu une bien... J'en ai assez. Ah d'accord, en fait il m'a viré une potion sur. Sûr. Ah ça c'est un soldat amnien. Ne vous approchez pas, citoyen. Un seul mouvement suspect et je vous jure que votre tête sortira de la mine avant votre coup. Et maintenant, ah super facile. Ils sont sympas les gens ici. Alors là je fais demi-tour en fait. Ouh, je sens que ça va être le bordel cette carte. En fait, ça passe pas ici. Je crois que mon ventre s'est ouvert. Oui, c'est un peu ça, c'est sur le ton qui a été donné, ça faisait un peu... Je crois que mon ventre s'est ouvert. Mais des fois, ça peut être vraiment stylé, hein. Donc le gars qui se relève et puis il fait... Oula, je crois que j'ai un problème. Et puis la caméra qui se retourne et en fait, il a 3-4 épées et des flèches dans le dos. Et là, ça fait vraiment classe. Sauf que il faut faire un bon doublage. Il me semble avoir perdu la tête. Ouf. Et voilà.
Y a-t-il quelque chose par ici? Ouah! Alors, c'est quoi donc? Les kobolds? Ma lame vous coupera un morceau. Alors, j'ai pris 6 points de dégâts. Bah YOLO, hein. Alors... Oh, stylé l'anime. L'araignée qui descend. Voilà. Petit soin, normalement c'est bon. Quick save. Donc ces petits démons, c'est en fait c'est juste des kobolds. Pas non plus la mer à boire. Ah, ça y est, on va aller dans les profondeurs de la mine. Une tâche facile. Ils arrivent, ces démons glapissants sont partout. Allez, n'ayez pas peur. Oula! Il y en a peut-être un peu beaucoup là. Alors, on va réfléchir. Je vais déjà me replacer sur ma chaise. Comment on va faire? Déjà. Tout le monde attaque la même personne. Qu'est-ce que vous voulez? Pas sûr. Vous m'avez parlé? C'est l'endroit où l'eau de mer est trop salée, tu ne peux pas la boire. Oui. Je sais. Mais pourquoi tu dis ça? Je... Ça a intérêt à en valoir la peine. On a tous bu la tasse au moins une fois si on est allé à la mer. Au moins de ne pas savoir nager, et puis même encore. Le serviteur de Dame Nature attend. Puis-je vous aider? Ok, moins deux. Alors j'ai pris très cher. Et maintenant, une tâche facile. Ah, attendez. Oui, une tâche facile. Et maintenant, que se passe? Une tâche Je me meurs. Destructeur de l'univers. C'est pas la mémoire à boire, t'es Alzheimer. Ah d'accord, c'était pour ça. Bon, bah je me suis fait un petit peu... défoncé. Oui, oui, bien sûr. Allez, on recommence. Tant pis. Et maintenant, que se passe-t-il? Là, c'était la bonne tactique, là, pour l'instant. Quelque chose vous dérange? Et maintenant... Du coup, c'est toi qui vas décaler. Étrange personne. Oui. Oula, ça m'a l'air comme plus dur que dans mes souvenirs quand même, dit Kerrigan. Bah oui, c'est pas simple. Je me suis pris une bonne tonche. Et j'ai pas envie d'utiliser le dernier sort, ça m'énerve. Donc toi... Oula, non. Tu vas rester derrière. Attaquer ça. Ma lame vous coupera un morceau. Alors à la limite, toi tu vas vous aider. Oh, bon voilà. Ça y est, ils sont fait buter. Oui. J'ai pas un sort de soin? Non. Ça a intérêt à en avoir Dame Nature attend. Et maintenant, que se passe? Une tâche facile. Ah, plein d'items partout. Ah oui, mais évidemment, moi je suis full. Je suis même uber full. Oh, je peux le prendre ça. Scalp de bandit. J'ai mandard. Potion de défense. En vrai, tu vas me prendre ces merdes, toi. Parce que ça me sert pas à grand chose. Faudrait que je puisse regarder ce que c'est que cette ceinture. Et maintenant, oui. Et maintenant, oui, bien sûr. Et maintenant, une tâche facile. Bébé, je voudrais. Qu'est-ce que. Quoi? Ben, si j'ai pas le choix. Oui, c'est fait. Ah, c'est bon. Et maintenant, que ce soit une tâche facile. Gardez les flèches. Et maintenant, c'est fait.
Oui, ça y veut. Un autre kobold. Oh, il a pris cher. Ouais. Maman. Ouh. Je me sens pas très bien. Ah, attendez. Ben, si j'ai pas le choix. Quoi, ok. Je m'en vais. Oui. Une tâche facile. Mais c'est cassé où? Bon, il y en a un qui traîne c'est quelque fait. Part, ça fait un peu peur. Non. Et toi, t'es à 2 PV. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Oh, chut, t'es tellement mal doublé. Quelque chose vous dérange? Et maintenant, une le bon heal. Ah, y'a quoi là-dedans? Oui, oui, bien sûr. On va voir, peut-être que le fer a une utilité. Merde, il est là. Passons aux choses sérieuses maintenant. Quoi? C'est pris une lame. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. D'accord, ils se font défoncer. Et maintenant, une tâche facile. Et maintenant, une tâche facile. Ah, mais c'est en train de. Ah, ils sont en train de foutre mon inventaire. Oh là. Grosse mauvaise idée. Tant pis, ça sera par terre. Hein. Oui, une tâche facile. Ah ah, quelqu'un. Ne vous approchez pas, citoyen. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le soldat admien? Une tâche facile. Alors. Oh là là. Mineur. Je suis si fatigué. Emerson dit qu'on a un problème avec des chiens hybrides au-dessous et j'ai vu un chien avec une épée. C'est quoi ça? Une tâche facile. Des chiens avec des épées. Qu'est-ce qui pourrait être un chien avec une épée? Déjà les mineurs ils sont à poil. Oh là là, je suis si fatigué. Pas le temps de bavarder, on travaille deux fois plus mais on produit aucun minerai exploitable. Les mineurs ne descendent que s'ils sont forcés et que ce que nous ramenons est pourri. Ouais. Les archers ça peut être très utile du moment qu'il tire pas sur ses alliés. Le friendly fire est inactivé. Ça a pas l'air de passer ici. Alors, on dirait que ça passe pas trop à gauche. On va essayer plutôt du côté droit de la mine. Donc elle a l'air d'avoir des créatures un peu plus fortes dans les zones d'en dessous. Allez voir. Oh lolo, je suis si fatigué. Le bon wololo de... Pourquoi elle a fait le tour, il était à côté. Le Edge of. Oula. Et la rivière devint rouge. Bon, je bourris là. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ouais, ça passe. Ça passe, c'est quand même ultra YOLO, mais ça passe. Il y a de la flotte ici. Oula. Je suppose que je suis pas très loin. Il y en a combien? Heureusement qu'ils sont faciles à battre, hein. Ma lame vous coupera un morceau. Alors attendez, parce que là on va avoir un problème. Votre voix est exquise. Vous êtes une... Moi, je m'en vais. Oh. Oui. Ok. C'est fait. Je crois qu'on va avoir besoin de dormir à un moment, parce que là, ça commence à être compliqué. Gagner un peu de sous. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les trailers des Guardians of the Galaxy 2 et de Spider-Man Homecoming qui sont tombés. Une tâche facile. Et ils sont putain de cool. Ils sont vraiment cool. Oula. Ça. Pour ceux qui ont péri. Je me meurs. Destructeur de l'univers. Ah, mais merde, toi tu aurais dû te mettre en... Oui. Et toi tu...
Qu'est-ce que fout devant? Je peux pas m'en empêcher. C'est assez bizarre, on dirait qu'il a. Des fois il a 4 PV, des fois il en a 8. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Non mais toi tu recules. Si j'ai pas le choix. Voilà. Et maintenant où? Oui, bien sûr. C'est quand même un sacré bordel. Ah mais ça parle de trucs dans le chat. Calmez-vous. Calmez-vous. Allez, petite pause. Hop. Ah. Pour ça qui... Ah putain, j'ai plus de sort. Votre voix est exquise. Ma lame vous coupera un c'est morceau. Fait. Pour ça qui ont péri. Bon bah du coup, on va retenter un dodo. Voilà, donc normalement j'ai récupéré des sorts. Non, ouais, arrêtez bon. De me toucher. Et maintenant que ce j'ai vu le trailer Spider-Man mais les Gardiens de la Galaxie, il faudrait d'abord que je vois le premier film. Ah, tu manques un truc parce que clairement c'est un Marvel qui a une sacrée ambiance. Moi j'aime beaucoup. Oui, bon après je suis pas difficile niveau Marvel, ça c'est clair. Oh, un anneau. Moi j'adore les films Marvel en général. Je suis pas très difficile. Hein. Et c'est vrai que vous pourriez me. Stanley, il pourrait me faire une chiure. Je dirais que ça, c'est bien quand même. Hop. Et le vieux magicien. Oula. Oula. C'était mauvais, en fait mauvais bail. Voilà. C'est fait. Là-bas, il y a genre basse monde. Je vais y aller un peu moins vite. Ok, ça c'est bon. Oui, c'est fait. Bref, oula. Faut juste que je les attende à distance. Si j'ai pas le choix. Et maintenant, que se passe-t-il? Cela n'en vaut pas. Waouh, il y en a beaucoup là. D'accord, il s'est fait défoncer. C'est peut-être la très mauvaise idée d'aller là-bas. Oui, bien sûr. On va dire que là-bas c'est trop dangereux. On n'a pas le niveau. Ah oui, j'ai oublié de ramasser l'anneau, oui. Bien, merci Kerrigan. Oui. Un anal des anneaux, mais oh, arrêtez là. Je me sens pas très bien. Mais y'a quoi qui m'a tiré dessus? Une plaie béante sur mer terre. Je la referai. Ah, y'avait un piège. Y'avait un piège. Vous êtes une bien étrange oui. personne. Le serviteur. Oui. Quelque chose. Figure autoritaire omniprésente. Comment ça se fait que lui de temps en temps il a 8 PV et de temps en temps il en a 4? Hey, mais c'est l'absorption mineure de la roche. Ok, d'accord. Ouais, c'est bon, c'est vrai. C'est lui qui prend les. Oula. J'ai si froid. J'ai si froid. Non. Oh, tu vas balancer une absorption mineure. Ah ouais, donc c'est là qu'il passe à. Putain, mais elle est morte. Facile. Ça a l'air d'être plus simple à droite. On va arrêter d'activer ce piège. Tâche facile. Rakeir, calme-toi. Calme-toi. Non, je vais être obligé de modérer. On peut dire des trucs débiles, mais bon, faut se calmer au bout d'un moment. Donc. Ou sur une absorption mineure. Et la rivière devint rouge. Oui. Oh. Oh. Et maintenant, casse-toi. Une tâche facile. Mais. Et maintenant où? Le serviteur de dame, c'est comme si c'était fait. Oui, oui, bien sûr. Ma lame vous coupera en morceaux.
Et maintenant, que se passons aux choses. Mais putain, ils sont défoncés. Une tâche facile. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre. C'est un jeu, il faut toujours reload. C'est l'enfer. Ok, ça c'est bon. Toi, tu vas me faire une absorption mineure sur lui. Ok. Ça part en couille sur ce chat, ça part en couille. Alors bon, dans la flotte ils me font, ils sont tous violets. Allez, c'est Groovy Night. Le serviteur de Dame Nature attend. Allez go, c'est parti. Oh mon cœur n'y est pas vraiment. Oh mon cœur n'y est pas vraiment. Vous croyez que le doubleur il a sorti vraiment ça à l'origine? Quand il a dû doubler le. Je suis sans égal. Mais je vais bien l'être. Je suis sans égal. Mais vous m'avez parlé. Non. Mais putain. C'est trop tellement cher. Oui. Une tâche facile. Et maintenant c'est fait. Merci Andron, au pire tu le premier, replie-toi pour ce qui s'approche. Ouais, je pense que je vais essayer de faire ça. Faudrait que j'arrive à choper juste le premier. Et maintenant une tâche facile. Oui. Trouvé. Une tâche facile. Yay. Ok. Donc là je pense qu'on peut gentiment save. On va tenter. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Alors, ils vont arriver à plusieurs. Et maintenant, où là, tu me fais une absorption. Quelque chose vous dérange ? Maintenant, tu recules. Je peux pas m'en empêcher. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ok. Puis-je vous aider ? S'il n'y a pas le choix. Alors la queue, la queue de Kaiser Bug, aidez-le. Comment on peut, qu'est-ce qui se passe? T'as juste un débit de merde ou pas? Si c'est juste un débit de merde, je peux pas faire grand chose. Et maintenant où c'est fait. Ah. Non. Ben, si j'ai pas le choix. Avez-vous besoin de mes services? Oui. Je peux pas m'en empêcher. Hein. Voilà. Maintenant, c'est fait. Ah putain. Quick save. Alerte blague raciste en vue, quoi. Ouf. J'ai pris la bonne flèche. Je peux pas m'en empêcher. Et maintenant. Ah, va falloir faire quelque chose. Arrêtez de me toucher. Ça intéresse. C'est passé quoi là sur les deux derniers kobolds? Ma lame vous coupera un morceau. Ouh. Oula, ils sont peut-être beaucoup. Merde. Quelque chose vous dérange? Ben, si j'ai pas le choix. Et le vieux magicien tombe. Dommage. J'en fais toujours un de moins. C'est con parce qu'ils ont fait un massacre derrière. Bon, ouais. Oh, je sais pas ce que je fais. Et maintenant,
se passe-t-il? Une tâche facile. Et du coup, j'ai fait un massacre. Je me tâte. Vers un sort. Et encore un sort, je devrais fouiller tout le monde. Ouais, non, je vais quand même reload. Oui, c'est fait. Je vais quand même reload. Je préfère m'aventurer complètement. Alors là. Et maintenant, c'est fait. Il m'a vu. Trouvé. Et maintenant, une tâche facile. Oh, allez, qui est le? Oui, c'est fait. Trouvé. Et même, c'est fait. Et la rivière devint rouge. Ça, c'est bon. Et maintenant, une tâche facile. Ouais, il y en a deux. Oui. Alors toi, tu me fais vraiment peur. Cela n'en vaut pas la peine. Et maintenant, que ça s'est fait. Et maintenant, bon, le tout, c'est qu'il y en a encore un. M2. On se casse. Oui, c'est fait. Vous êtes Ocule. Et maintenant, que se passe-t-il? Votre voix est exquise. Ok, ouf. C'est passé. Et maintenant où? T'es tendu du slip. Tâche facile. Il y a plein de cadavres, faudrait peut-être que je regarde. Oui, bien sûr. Et maintenant, c'est fait. Bon, on va lancer une quick save, hein. Merde. Oh, mon cœur, donc je prenne en compte lors de la quick save de pas bouger. Pour ceux qui ont péri. Alors toi, en fait, tu vas reculer. Eh bon, je peux pas m'en empêcher, hein. Et maintenant, où? Oui. Et la rivière devint rouge. Vous m'avez parlé. Tâche et facile. La rivière si j'ai pas le choix. Le serviteur à vos ordres. Sur le coup, faut carrément utiliser les techniques d'embuscade. Tu prépares tes troupes à l'arrière prêt au combat et tu fais bouger juste un personnage pour les attirer. Ouais, c'est ce que je fais du coup, parce que sinon c'est trop dur. T'es en drone, je crois que si ton mago a des feuilles UPV, c'est parce qu'il doit avoir un sort de protection, un type passif, c'est quelque chose comme ça. Non, en fait, c'est l'absorption mineure de la roche, c'est son sort. Il lui permet d'absorber 4 ferrés et 4 PV et quand il les a en plus. Et bah, ça les... enfin, quand il a 4 PV de base, ça lui met en plus, temporairement. Ah, par contre, là, il a plus de sort, donc faudra se méfier. C'est fait. Ou alors, je save et puis je tente un reset des sorts. Putain! Et maintenant, que se passe-t-il? Dans ce cas, hop. Ok, c'est bon. Oui, la bonne triche! La bonne triche, complètement abusée des reloads. Oula. J'ai cru que c'était un gros gouffre. Mais non, ce n'est juste que le bord de la carte. Quoique. Non, c'est pas le bord de la carte, on dirait. C'est juste pas la bonne direction. C'est super, hein. J'ai galéré comme un fou, mais je suis pas du tout allé dans la bonne direction. Alors, ce split n'est jamais une bonne idée, hein. Si un jour vous retrouvez dans un film d'horreur, et ben vous ne vous séparez pas. Oula, 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 oula. Ah putain. Je dois être. Faut que je recommence. Oui, une tâche facile. Alors jusqu'ici c'est safe.
Pareil, quand tu fais des pauses, pas bien de sujinité au cas où tu te ferais attaquer pour mieux recevoir. Oui, ou alors que j'abuse de la technique du reload. Mais c'est vrai que c'est pas très roleplay. Netherwinter, bah je sais pas, mais peut-être que j'en ferai plus tard, mais pour l'instant c'est du Baldur's Gate. Oui, parce qu'avec MyScope et un autre pote du bahut, on s'est mis à Neverwinter. Je me suis remis du coup. Parce que c'est quand même vachement bien sympa. Et merde, je crois que j'allais dire que j'avais aggro tout le monde, mais non. Ah, si, voilà, ça y est, ça arrive. Toi, tu vas rester là. Oui, oh oh oh. Et maintenant, une tâche facile. Il y avait deux pièges d'affilée. J'avais deux pièges d'affilée. Merde. En plus, j'avais fait un bon truc là. Oh. Une tâche facile. Et maintenant. Oui, bien sûr. Et maintenant, une tâche facile. Je me meurs. Voilà. Maintenant, on sauvegarde. Oui, une tâche facile. Qui est-ce qui a détection des pièges? Vous m'avez parlé. C'est quoi ça, c'est... Larsin, non. Furtivité, non. Détecter les pièges des illusions. Je ferai votre tâche. Ça a intérêt à en valoir la peine. Et je fais comment pour les désactiver? Ne dormez, qu'est-ce qui doit disparaître? Merde. Est-ce que quelqu'un... Cet obscur... Vous m'avez parlé. Est-ce que quelqu'un sait comment s'occuper de ces satanés pièges? Ça a intérêt à en valoir la peine. Mm-hmm. Vous êtes une quelqu'un a un truc qui s'appelle désamorcer les pièges. Quelque démorcer. Chose, puis-je vous aider? Que j'apprenne à parler. De Dame Nature attend. Que se passe-t-il? Bah merde. Qu'est-ce qui doit disparaître? Ne dormez que d'un œil. Tire. C'est pas comme ça qu'on fait. Vous m'avez parlé. Je ferai votre tâche. Merde. Oui. Pour ceux qui ont péri. Pour les pièges, je fais un voleur. Il faut appuyer sur le bouton power de ton ordinateur. Ouais, super. Ça a intérêt, enfin. Je ferai votre tâche. Genre, si je fais... Oh, pff, c'était quoi cette flèche? C'était quoi cette flèche, sérieusement? Je sais pas si vous avez vu, elle a fait... Hop. Tellement, mais tellement illégal. Bon bah du coup ça va être ma druide à 24 PV qui va y aller hein. Putain, elle a pris tellement cher. Maintenant, que se passe-t-il? Oui, bien sûr. Voilà. Moi je dis, on jette le mage dans les pièges et on passe. YOLO. Et voilà. Cela n'en vaut pas la peine. Ok, imbécile. Elle s'est faite défoncer. Il va falloir trouver une autre oui, ma tâche facile. C'est marrant, il y a deux paquets d'items maintenant. Une tâche facile. Alors, je sais que il y a des kobolds ici, on va essayer d'en attirer. De mon mieux. Non, pas toi. Toi tu sers à rien. Oui, bien sûr. Oh. Oui. Et maintenant une tâche facile. Ok, d'accord. J'ai pris un coup et les mecs après sont barrés. Et c'est fait.
Quelque chose vous dérange ? Vous m'avez parlé ? Voilà. Oui, c'est fait. Alors c'était pas ouf, mais au moins j'ai fait quelque chose. Et maintenant une tâche facile. Regardez. Merde. Ah non mais il s'est fait défoncer. Donc on sait que là-bas il y a des gens. Il sert à quoi ce match si tu le mets tout le temps à couvert et loin des ennemis? Si tu le mets tout le temps à couvert loin des ennemis, de temps en temps il s'en sort. Quelque chose vous dérange? Ils ont fait la même technique que toi, ils ont attaqué puis ils se sont empillés, d'accord. Vous m'avez parlé. Les petits sagouins. C'est fait. Et maintenant où? Oui, non, peut-être. Une tâche facile. Et le vieux magicien. Il y a encore un piège. Ah. Ça en fait toujours un de moins. Oui, bien sûr. En fait, ils veulent pas passer le piège. Parce qu'ils le voient. Non, ils le voient pas. Si, ils ont l'air de le voir quand même. Ouais, ouais, ils prennent le piège. Enfin, mon perso prend le piège. Ah. Concentration. Et maintenant, et un petit peu de chance. Tâche facile. Oh. Oh, hey. Oui, oui, bien sûr. Un match c'est censé servir d'appât pour les ennemis, en tout cas quand on fait de la stratégie. Et maintenant, oui, bien sûr. Bof. Et maintenant où? Oui, et maintenant que se passe-t-il? Y a pas un passage au sud pour contourner? Ah, peut-être. Vérifions. Oula! Ah, attendez, parce que là j'ai fait YOLO. Alors, comment ils sont positionnés, ces saloperies? Déjà, la mauvaise idée, c'est d'attirer le kobold qui est sur la droite. Voilà, donc là, bonne idée, c'est de faire ça, de refiler un peu. Bon, je peux pas m'en empêcher, hein? Je ferai votre tâche. Il faudrait que je te mette. Voilà. Oui. Oh mon cœur n'y est pas vraiment. Oh mon cœur n'y est pas vraiment. Je vous assure qu'il a dû dire ça lors du doublage. Putain, il se fait défoncer, il se fait défoncer. Non, arrêtez de me toucher. Putain. Ah. Facile. Ensuite, on envoie ses cigariers, puis c'est bon. C'est un grand stratège. Ah. Alors, la première s'est plutôt passée facilement, mais alors les autres. Cela n'en vaut pas la peine. Que je meure. Oh là là, il s'est fait un méga coup. Il est mort. C'est des araignées colossales, mais bon. Ces araignées colossales sont actuellement en train de me défoncer la nouille. Et maintenant, quelque chose de facile. Et maintenant, où?
Je ne voudrais pas avoir l'air de chercher la petite bête, mais pourriez-vous faire preuve de moins de méchanceté? Le mec a un accent anglais en fait, j'ai l'impression. Boucher glacial. Je me meurs, destructeur de l'univers. Et maintenant, que se passe-t-il? Non. Non. Et le vieux magicien. Il s'est pris des dégâts de poison, c'était pas mal pourtant. Toujours un moine. Oui, c'est fait. Et maintenant, que se passe-t-il? Donner un arc à ce nain, ça sera mieux, il y a moyen. Et maintenant, où? Je me... Ben, si j'ai pas le choix, maman... Putain, le con! Pourquoi il est vu? C'était parfait. Oui, une tâche facile. Ah! Et maintenant, une tâche facile. Et maintenant, où? Bon, hé, je peux pas m'en empêcher, hein? Voilà. Oui. Beaucoup d'XP. C'est fait. C'est pas mal. Sauvegarden. Puis-je vous aider? Et maintenant, puis-je vous aider? Allez, viens là. Et maintenant, où? Une tâche facile. Oh, mon cœur, il est pas vraiment... Ben, si j'ai pas le choix... Yes! Oui, c'est fait. Yes, yes, yes. Du coup, sauvegarde. En plus, on n'a pas pris de dégâts. Essaye la position en triangle avec le tank en pleine première ligne. Alors attends, comment on peut choisir? Parce que du coup, c'est qui va se retrouver en première ligne? Ah, c'est Imoen. Voilà, mauvaise idée. Comment on peut choisir qui est-ce qui va en premier? Si vous voulez, je peux toujours essayer. Ah merde alors. Ah bah attends. Si je fais vous ça. Vous êtes tous des imbéciles. J'en ai assez. Qui est-ce qui se retrouve devant? Par rapport à son placement dans la liste. Pourquoi du coup c'est moi qui me retrouve devant? Ah, je comprends pas trop. Ah si, c'est bon, ok, c'est bon. Le mage devant. Alors, il y avait rien dans ce truc? J'ai galéré comme un porc, il y avait rien? Pas sympa. Reculez. Ok. Et là... Non, merde, Ah non, mais non, c'est pas toi. Putain, j'ai encore bougé les trucs. Voilà. Vous êtes une bien étrange personne. La gueule. Ouah. Et en fait, il faudrait que je fasse ça plutôt. Aha. Je suis un peu con. Oui, bien sûr. Ouais, c'est mieux. Quick save. Ah merde. Allez, viens dès là. Avec, je peux toujours essayer.
Ça sent le méga piège. Quoi ? Oui ? Ah non. Je sens qu'il va falloir que je yolo. Hein. Puis-je vous aider ? Et maintenant, c'est fait. Bon bah tant pis. Hein. YOLO ! Oula ! Votre voix est exquise. Et la rivière devint rouge. Et maintenant où ? Et la rivière devint rouge. C'est fait. Et voilà. Un petit YOLO de temps en temps, ça passe bien. Wow, des flèches magiques. Et je suis bien évidemment full. Allez, les pare-chausses, ça va être un autre mage, en espérant qu'il reste en vie de temps en temps. La masse de flèches que je me trimballe. Ah bah c'est cool, toi t'en avais plus. Voilà. Flèche. Ah, il faut que j'identifie. Dans ce type de formation, t'as le tank en première ligne, seconde ligne, t'as le nain, le druide, et derrière toi, et toi. Et à l'arrière, les gardes, les deux archers et le magicien. Entre les archers, ça peut être un bon petit, je pense avoir. Le druide a 24 PV, il pourrait être tank. Ouais, je sais, mais j'ai l'impression que le druide, il a beau avoir masse PV. C'est un guerrier druide, c'est un doublé. Il a beau avoir masse PV, je suis pas sûr qu'il fasse des masses de dégâts, surtout qu'en fait, il a qu'un bâton ou des billes. Pas ouf. Enfin bon, quand il y aura plus de billes, de toute façon, je le mettrai devant. Alors, faudrait peut-être que je reconfigure tout ça, parce qu'actuellement, c'est un peu la merde. Je vais pas prendre des trucs. Je peux toujours essayer. Je peux toujours essayer. Oui, c'est fait. Alors, on va essayer de reconfigurer tout ça. Donc, actuellement, il y a le tank, le nain, le machin, c'est pas bon. Faudrait que je me faudrait que je mette la druide devant. Ah, c'est pas mal. Là, c'est plutôt pas mal. Ah, niveau inférieur. Malheur à vous, Khalid. Merde. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Et du coup, hop. Donc là, il y a un bon piège. Le serviteur de Dame Nature attend. Ne dormez que d'un œil, tyran, que je meurs. Il y a même plusieurs pièges. Oui, une tâche facile. Je vous ai jamais fait. Quelque chose vous dérange ? Alors. Vous ne dormez que d'un œil, tyran ! Ça a intérêt à. Ok, il y a masse piège. Le problème, c'est que sans voleur, là, les pièges, j'ai tous me les bouffés. Et maintenant, c'est fait. Bon bah je vais y aller à coup de plus de plein de PV hein. Ok. Alors on a pété les pièges. Putain c'est chiant sans voleur. 100 personnes pour détruire les pièges, c'est un enfer. Hein. Normalement, ton ami d'enfance devrait être voleur aussi. Vous êtes une bien étrange personne. Elle est quoi ? Ok, c'est my bad. Je suis juste un putain d'abruti. Oui.
Ah mais j'ai déjà tout bouffé oui, des pièges. Oh, ok. Bon bah pour la prochaine fois. Ah. J'ai si froid. J'ai si froid. Voilà, ça y est, réussi. Oui. Le serviteur de Dame Nature attend. Bon, elle est pas full vie, mais c'est pas très grave. Allez, c'est bon. Bon, je sais que j'ai un voleur, c'est cool. Ma lame vous coupera un bim morceau. Je ferai de mon bonjour, mieux. Malefia. Bonjour, bonjour. Oui, bah bonjour, parce que si je me souviens bien, tu es du Québec. Et donc, pour toi, c'est encore le jour, possiblement. Il est quelle heure ici? 21h33, il y a quoi? Il y a 6h? Ouais, si. Les monstres traînent dans les parages. Pour ceux qui ont péri! Oui, vous figure autoritaire omniprésente. Quelque chose vous dérange? Ah oui. Ah, il est solide, c'est un commando kobold. C'est fait. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Je me meurs. Destructeur! Voilà! Ah, il y a l'air d'avoir des grottes à kobold. Oui, il fait très froid dehors. Genre, il fait combien? Et maintenant, une tâche facile. You must gather your party before venturing. Et la rivière devint rouge. Ah! Quoi? Cela n'en vaut pas la peine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et maintenant, rentre ici. Il fait moins 9. Waouh! J'avais raison depuis le début, dit Roftal. C'est sans doute Tazok qui vous envoie et ces imbéciles de kobolds vous ont permis de passer. Hein. Je savais que je pouvais pas leur faire confiance. Équipé comme vous l'êtes, vous êtes vraiment là pour me tuer. Par Cyric, tout le minerai qui sort de cette mine est contaminé et je vais quand même être exécuté. Je ne vais pas laisser faire. What the fuck? C'était peut-être le mauvais plan de dire ça. Bon, reload. C'est fait. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a le boss ou quelque chose qui s'en rapproche. J'ai tout pris là, on est d'accord. Du coup, Tandax. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je me repose. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une goule. Passons aux choses sérieuses maintenant. Alors toi, tu vas m'enculer. Si j'ai pas le choix. Il a pris cher, hein. Oui, une tâche facile. Donc il y avait une goule. Un petit et anneau. C'est fait. Qu'est-ce que t'as pris comme debuff, toi? Pourquoi je peux pas rien voir? Et maintenant, oui, bien sûr. Ah d'accord, il est juste, il est pétrifié. La bonne pétrification oui. Des familles. C'est fait. Ça y est, t'es dépétrifié. Une tâche facile. Merci. Donc on sait que là-dedans, il y a un bordel sans nom. Faire le tour, on va explorer un petit peu avant d'y aller. On est actuellement un peu dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De la vase. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah merde, il y a plein de vases. Destructeur de l'... Bon, hé, je peux pas m'en empêcher, hein. Et maintenant, où? Et la rivière devint rouge. Ben, si j'ai pas le choix. C'est vrai qu'elle est pas hyper... hyper efficace. Et une tâche facile. Parce que j'ai souvenir dans mon manuel de joueur, enfin de manuel des monstres,
que certaines créatures de ce genre-là, c'était un petit peu la baise. Genre les slim, les gros cubes qui se baladent dans les donjons et qui clean les donjons. Parce qu'ils vont manger tous les cadavres et tout, c'est un peu la merde. Non, pas de la vase, c'est de la bave de troll. On va revenir ici. Parce que j'ai plus trop le choix, de toute façon je suis au fond de la caverne. C'est donc là que tout va se jouer. Et maintenant, que se passe-t-il? Je peux pas m'en empêcher, hein? Le tout, c'est de pas déclencher l'event avant. Et maintenant, où... Je peux pas m'en empêcher, hein? Oui. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ok. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est fait. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être. Est-ce que je vais jouer à ce jeu tout le live ou il y a autre chose? Pour l'instant, j'ai prévu de jouer qu'à ce jeu. Et maintenant, où une tâche. Il est possible que je fasse autre chose. Quelque chose qui ressemble un peu, enfin qui ressemble un peu, qui est dans le même univers. Mais. Ah voilà, c'est ça, il a pété son arme. Ah, pas mal ça. J'ai pas vu, même si c'est pas identifié. Bon bah tant pis, hein, ça va fonctionner, j'espère. J'aimerais bien jouer à Neverwinter en fait. Le MMO. Oui. J'y joue un petit peu en ce moment, c'est cool. J'aimerais bien y jouer un petit peu, oui. Pour montrer. Alors, on va sauvegarder. C'est fait. Quoi? Comment? Alors, on va se cacher un peu là-dedans. À rentrer ici. Merde! D'accord. Ils viennent nous larguer une caisse. J'ai pas eu le temps de voir le truc. Il a dit... Tajok est injuste, j'ai aucun désir de trahir et vous non plus, mais lettres le prouveront, elles sont dans ce coffre, prenez-les et montrez-les à Tajok. Tâche facile. Oui, allez, imbécile, vous n'aurez pas l'occasion de prendre tout quoi que ce soit. Serviteur, venez à tuer ces intrus. Et maintenant, où... Non. Alors là, dans l'idéal, ça aurait été défoncé très très vite. Mon cœur n'y est pas vraiment. Maman, je me sens pas très bien. J'ai si froid. Je suis en train de regarder, mais en fait, ça va être tellement ingérable. Tomber dans des batailles. C'est normal, hein. Si je fais rien, c'est normal. Mais je regarde le nombre de personnes qui. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Ça va être particulièrement compliqué cette histoire. Oui, c'est fait. En vérité, il faudrait que je clean un petit peu cette zone avant. Sauf que s'ils pop après. Ah shit, en fait ils ont l'air de popper juste après. Ah, cela contracte. Cela contrecarrie tous mes plans. Je vous remercie de m'avoir libéré. Zan, enfin libéré de cette prison ligure. 85 jours à vivre comme un nain, c'est trop long pour un membre du beau peuple. Vous n'avez pas l'air plus glorieux que moi, je vous dois ma liberté et je vais donc mettre mon pouvoir au service de votre cause. Je suis Zan. Qu'est-ce que tu fous là en fait? Enquêter sur les événements étranges, d'accord. Merde. Qu'est-ce que je peux retirer? Personne? Oh, nous courons tous à la ruine. D'accord.
Et maintenant, que ça. Alors Xan, du coup, il va du coup partir là-bas, enfin partir à la. Tellement vaine. D'accord. J'allais dire qu'il allait repartir à Château-Suif, mais non. Il a l'air un peu dépressif, ce mec. Facile. Alors, on va essayer d'y retourner. Quoi ? Comment avez-vous réussi à entrer ici ? Alors, le tout, c'est de le défoncer très très vite. Oui ? Le serviteur de Dame Nature attend. Puis-je vous aider ? Avez-vous besoin de mes services ? Oui, vous êtes une figure autoritaire omniprésente. Votre gueule, vous avez fait beaucoup de bruit. Hein. Non, arrêtez de me toucher. Ben, si j'ai pas le choix. Je me meurs. Pourquoi il veut pas le. De l'univers. Maman. Merde, ça marche pas. Et le vieux magicien tombe. Ah! Oui, une tâche facile. Quoi ? Comment avez-vous réussi à entrer ici ? Alors, donc là, il faut que je me positionne de manière à pouvoir lancer mes sorts correctement. De toute façon, tant que je clique pas sur le coffre, c'est bon. Alors, si le, pas le choix, mage, il va se mettre à l'extérieur. Le tank, il est où mon tank ? Le serviteur de Dame Nature attend. S'il n'y a pas le choix. Les deux tanks vont se mettre là. Oui, à vos ordres. Les deux, voilà, vont oui, se mettre ici. C'est fait. Ils vont tirer. Et maintenant, c'est fait. Se mettre à l'arc ici. Vous êtes par ici. Et maintenant où? Oui, bien sûr. Alors. Ouais, prêt. Alors, pause. On va régler notre truc. Limite, votre je vais plutôt faire ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Toi, tu attaques lui. Vous avez quelque chose à accomplir ? Toi, tu attaques lui. Qu'est-ce qui doit disparaître ? Toi, tu bouges pas. Toi, tu bouges pas. Vous faites la une oui. défense et toi, tu attaques lui. Quoi ? Il lance son sort. Oui. Il l'a bloqué. Abandonne ses landrons, c'est pas grave si l'avenir de l'humanité est compromis. Pas sûr. Alors. Le serviteur de Dame Nature attend. Ça y a tellement de bestioles. Et je pense que si j'arrive à le tuer lui. J'arriverai peut-être à faire quelque chose. Oui, aux figures autoritaires omniprésentes. Quelque chose vous dérange. Et maintenant où. Je me rends, acceptez ma reddition. Mais il reste les merdes. Quoi? What the fuck? Mais c'est passé quoi? Il a dit je me rends et puis finalement non. What? Il en a rappelé? Je crois que je suis tombé sur un bug là. Ah oui, non mais ça c'est pas légal ça. Parce que comment je suis censé battre ça, hein? Dites-moi, putain. Oui. Ah. Quoi? Comment avez-vous réussi à entrer ici? Alors, on va reset up tout ça. Quelque chose vous dérange? Oui, vous m'avez pas. Occupez-vous de votre lame. Puis-je vous aider? À vos ordres. Non, toi tu vas là. Cela n'en vaut pas. Avez-vous la peine. Besoin de mes services? S'il n'y a oui, pas le choix. Tâche facile. S'il n'y a pas le choix. Essayer. J'en ai assez. Ouais, il faudrait bourriner assez fort en fait. Vraiment qu'on bourrine très très fort dessus. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. S'il n'y a pas le choix. Ça. Occupez-vous de votre lame. Oui, c'est comme si c'était avez-vous. Fait. Je ferai de mon mieux. Ah. Et maintenant, c'est fait. Et maintenant, où?
Non ! Arrêtez de me toucher ! Ok. Tout le monde est parti. Qu'est-ce que vous voulez ? Reste. Ouais, je vais te lancer ça comme ça, moi je suis sûr que tu vas faire des dégâts. Quelque chose vous dérange ? Quoi ? Vous avez quelque chose à accomplir ? Votre voix est exquise. Moi, je m'en vais. Le serviteur de Dame Nature attend. Il peut plus bouger, oui. Ça va être compliqué. Non, vous êtes une bien étrange personne. Je vais avoir... Pauvre chose, connaître la mort si tôt. Pauvre chose, connaître la mort. Oh merde! Ah non, Dirmta est simé lui aussi. Arrêtez avec vos commentaires, avec vos allusions salaces. Je sais que c'est complètement pervers comme jeu quand on y réfléchit un petit peu. Comment je suis censé passer ça? Comment avez-vous réussi à entrer ici? Comment je suis censé passer cette merde? À la limite, est-ce qu'il avait... Il avait pas un autre sort? Non, pas toi, elle. De Dame Nature attend. Enchevêtrement. Portée, champ visuel et lanceur. Avec ce sort, pauvre... Hey. Il y a peut-être moyen. C'est-à-dire, si je lance enchevêtrement d'abord... Pendant que tout le monde tape sur l'autre, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Vous m'avez ne dormez que d'un œil. Je peux toujours essayer. Et maintenant, c'est fait. Oui, je peux pas m'empêcher. Vous faites moi, je m'en vais. Et maintenant, où c'est fait. Allez, c'est tipeur. Cette obscurité est plaisante, mais peste soit de l'humidité. Vous avez quelque chose à accomplir? Avez-vous besoin de mes services? Intérêt à en Qu'est-ce valoir que vous la voulez? Peine. Non! Arrêtez de me toucher! Oui? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment! Voilà, enchevêtrement. Ah mais ça enchevêtre aussi les alliés. Quelque chose vous dérange? Et c'est ça, tu te prends Xan, déplace-le à côté dans la chambre, puis reprends l'unité avec laquelle tu auras fait échange, comme ça il sera prêt les combats. Elle va peut-être participer aussi, non? Ah ouais, peut-être. On peut essayer ça. Là actuellement, c'est pas hyper concluant comme. En vrai, si j'arrive à le tuer, je sais pas si ses invoques seront pas. Vous êtes une bien étrange personne. Votre voix est exquise. Non ! Arrêtez de me toucher ! Qu'est-ce que vous voulez ? Allez, tuez-le ! Ok. Que se passe-t-il ? Quelque chose vous dérange? Et maintenant où? Pour ceux qui ont péri! Passons aux choses sérieuses maintenant. Je me meurs! Destructeur! Le serviteur de Dame Nature attend. Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Oui. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Je peux pas m'en empêcher.
Quoi? Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Que se passe-t-il? Pour ceux qui ont péri! Ma lame vous coupera en morceaux. Vous avez quelque chose à accomplir? Et maintenant, où? Cela n'en vaut pas la peine. Puis-je vous... S'il n'y a pas le... Avez-vous... Je peux... Oh, mon cœur n'y est pas vraiment... Oui. Désolé pour ce cri de joie, mais là, il fallait que je... Il fallait qu'il sorte. Sauvegarde. Sauve, putain de garde. En plus, il y a plein d'items. Je peux pas tout mettre. C'est tant pis, c'est pas grave. Ah, les bons items. Point 1, c'est pas grave, ça fait un bijou en plus. Je suis con, je m'équipe pas, il faudrait que je m'équipe. Ouf. Content. Attends, c'est quoi ça? Code de maille, c'est quoi ça? Classe d'armure 5. Classe d'armure 3. Ah non, c'est moins bien. Et je crois que l'un des deux en a besoin, donc on va filer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Symbole sacré de Méalève. Portier du dieu Cyric. Cyric. En parlant de sauvegarde sur sport, une fois j'avais sauvegardé, quand je reviens pour jouer sur ma sauvegarde, il n'y est plus. Hey, ça arrive, ça s'appelle un jeu bien buggé. Oh là là, sport et les bugs. Cool story, bro. Et avec tout ça, il n'y a pas eu de level up, sérieux quoi. Eh oui, ça s'appelle Donjons et Dragons. Le jeu où tu level up jamais. Et maintenant, quoi? Puis-je vous aider? Oui. Alors, attendez, parce que... Il ne fait aucun doute que la mort de Mulahe va soulager les craintes de la population terrorisée de Nashkel. Mais vous demeurez dans l'inquiétude. S'il est possible que le demi-orc soit effectivement à l'origine des problèmes de la mine, la pénurie de fer est trop généralisée pour être de son seul fait. Ces lettres confirment vos soupçons, et bien qu'elles ne donnent guère d'indications sur la cachette de ces cohortes, celles-ci doivent être alliées aux bandits qui hantent actuellement la voie côtière. Ouais, mais là en vrai j'aime beaucoup ce genre d'ambiance parce que là c'est un peu comme si j'avais fini un scénario, c'est-à-dire une soirée avec des potes et on avait fait nos persos 3 semaines auparavant ou un truc comme ça et puis on avait fait un bon petit scénario des familles et on avait atteint une conclusion, on avait battu le boss, on avait réussi à éliminer tout le monde et c'est vachement cool, j'aime beaucoup cette sensation. Oui, une tâche facile. Ah merde! Allez, pétez-le. Voilà. Et maintenant, oui, bien sûr. Et maintenant, alors, attendez, parce que là, du coup, oui, j'aimerais bien récolter tout ce qu'il y avait là. Oui, une tâche facile. Ok. Alors... Maintenant, ce qu'on va faire, peut-être me rééquiper un petit peu dans tous les sens. Donc, j'avais lu un truc. Mon serviteur Mulahe, votre progression dans le détournement du minerai de fer n'est pas aussi efficace que prévu. Comment vous pouvez être aussi stupide pour permettre à vos kobolds de tuer les mineurs? Maintenant que votre présence est connue, méfiez-vous des ennemis envoyés pour contrecarrer votre opération. Votre tâche est extrêmement simple. Si vous continuez à montrer que vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous serez remplacé. Je n'enverrai pas les kobolds que vous avez demandés, car j'ai besoin de toutes mes troupes pour empêcher l'import du fer dans cette région. Joins à ce message un peu plus du poison minéral dont vous avez besoin. Si vous rencontrez le moindre problème, envoyez un message à mon contact à Beregost. Mon nom est Tranzig, il jaugera à l'auberge de Feldpost. Son nom est Tranzig. D'accord, donc il faut qu'on aille voir Tranzig à Feldpost, parce que ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Ah, j'ai 2 fois la note. Ah, j'ai une belle targe.
Ça peut être bien. Ah, David qui troll dans le chat. Alors, il y avait des trucs dans le coffre. Ouais, plein d'items, une épée magique. Et j'ai plus de place. Toi, tu vas être mon porteur de sorts, mec. Non ! Arrêtez de me toucher ! Go au sol. Ah, mais ça, il peut pas l'utiliser. Du coup, ça sert à rien. Ok. Et maintenant, où votre voix tâche facile. Merde! Mais non, mais je le fais dans l'autre sens. Alors. C'est quoi cette épée? Elle m'a l'air vraiment badass. Enfin, j'aime beaucoup toper des loots à la fin. Qu'est-ce que c'est que cette épée? Lame de lune plus 3. Lame de lune. Cette arme puissante a été créée par les forgerons de l'antique Midranor. Putain, j'arrive jamais à le lire. Les lames de lune servent au long du processus du choix d'un régnant sur l'île d'Éternel Rencontre. Une lame de lune choisit son propriétaire et dans le cas présent, celle-ci a choisi l'elfe Xan. Seul Xan peut utiliser cette arme. Et toute autre personne se retrouvera incapable de la soulever. Cette lame de lune confère à son utilisateur une résistance au feu et un bonus à la classe armure. Oh ! C'est pété ! C'est tellement pété ! Un TK0 plus 3, un dégât 1 des 8 plus 3. Ouais, putain, il fait mal, hein ! Et utilisable par Xan seulement. Ah ! Je suis tellement déçu d'avoir que 6 places dans mon groupe. Ah merde ! Qu'est-ce qu'ils parlaient? Oui, ils ont commencé en raptor, ils butaient tout en face tribu, ils se sont alliés avec tout le monde, même les Falmer, pour fonder un empire religieux à la facilisation. Alors, là, il y a une jolie épée courte. L'épée courte, c'est le premier type d'épée à être apparu. Donc, il y a encore des trucs pour savoir ce qu'il y a dedans. Et j'ai un joli petit anneau. L'anneau, il va où? Il va pas là, on dirait. Du coup, en fait, je me tâte à prendre Xan, parce que Xan, il a l'air vraiment badass avec sa jolie épée bien pétée, là. Il y a moyen qu'il fasse des trucs. Quoi ? Oui ? Faudrait que je règle tous ces problèmes. Je suis complètement... C'est le bordel sur mon équipement. Puis-je vous aider ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Sauvegarder. Vous vous réveillez en sursaut, en frissonnant, bien que la nuit soit chaude et calme. C'est comme si quelqu'un avait traversé votre propre tombe, et pendant un instant, vous vous demandez si ce n'était pas vous. Alors que vous songez à cela, le sol s'ouvre sous vous et vous emporte dans l'obscurité. Lorsque la lumière revient, sa présence ne vous réconforte en aucun cas. Devant vous se dressent les mines vides de Nashkel, que vous avez nettoyé lors de votre précédent voyage. Vous avancez à travers des cloisons et des portes, vous enfonçant de plus en plus, jusqu'à ce qu'une silhouette bouffie surgisse. Mulae, toujours en aussi mauvais état que lorsque vous l'avez vu pour la dernière fois, se tient immobile devant vous. N'ayant pas accès à l'après-vie, cette apparition maudite n'attendait que vous. Une dague en os vacille devant elle, attendant qu'une main se propose de l'enfoncer. Si cette créature respirait encore, elle hurlerait sans doute des jurons. Elle attend la mort, une mort au-delà de la mort, et n'a aucun espoir. Vous tournez le doigt à la lame qui tombe bruyamment au sol. Le royaume des morts saura infliger un châtiment suffisant à cette créature. Il n'est pas nécessaire que vous en rajoutiez. Surpris et reconnaissant, le visage de Mulae se met à chanceler en avant et vous traverse, s'en allant rejoindre le destin qui l'attend. Peut-être par mesure de sécurité, il laisse une partie de lui-même derrière. C'est une lueur d'espoir qui emplit un espace en vous, un trou vide, en forme de dague, que vous croyez rempli. Un cri de rage monte des profondeurs, et la dague en os s'envole en l'air, visant votre cœur. Vous vous réveillez au moment où elle aurait dû atteindre sa cible,
et la sueur froide qui vous couvre brûle vos yeux. Une voix mécontente résonne dans vos oreilles, bien qu'elle aurait dû disparaître avec la fin du rêve. Vous finirez par apprendre. C'était creepy. C'était particulièrement creepy. Dans les parchemins que tu as dans le coffre, il y en a un d'identification, je crois. Oui, il y en a un d'identification, je l'ai vu passer. Vire le mage, prends les guerriers. Bah, le mage, c'est toujours utile, hein. Il fait des gros dégâts, quand même. Il faut pas croire. Parchemin d'identification, oui. Du coup, je vais peut-être écrire la magie. Voilà, comme ça, il pourra apprendre le sort. Ah, il y a les kappas maintenant. Cool. Ah mais merde, tant qu'il n'y a pas de montée de niveau, je peux pas encore apprendre de nouveaux sorts. Tant pis. Voilà, on est bon. Oui. Une tâche facile. On a tout pris. C'est vraiment, il y aura une saison de sport en live. Une tâche facile. Oui, peut-être. Je sais pas trop. Actuellement, je sais pas trop. Je suis en train de préparer mon voyage au Québec, du coup. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir à faire plein de vidéos le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible. Sans les gâcher, j'essaie de faire plein de choses nouvelles. Ça prend du temps, en plus. Il faut que je bosse derrière. Ah, putain, c'est vrai que j'ai un partiel lundi. Super. À peine commencé à réviser. Alors, est-ce qu'il y a du monde? J'espère qu'il n'y a pas de monde. Je vais y aller en rushant. Je vais remonter. Et du coup, en fait, j'en suis au niveau du journal. Je vais jusqu'à Bérégos pour me rendre à l'auberge de Feld de Poste. Il y a un homme du nom de Trandin qui demeure. Retourne à Naskel. Donc, il faudrait que j'aille à Naskel. Ok. Québec, tu vas à quelqu'un déjà? Je vais à Montréal. Je vais à Montréal. Enfin, pour l'instant, c'est pas décidé. J'ai juste envoyé mon dossier. Peut-être que je serai pas accepté, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et du coup, je commence à réfléchir déjà en conséquence. Bon, j'ai bouffé un piège, c'est pas très grave. Oui, bien sûr. Là, c'était où? Ouais, d'accord. Je vois le futur, c'est un nom qui résiste, c'est partiel en live, c'est trop cool. On verra, peut-être qu'à la fin de la soirée, pour les plus déter, je vous ferai des petits cours de bash, parce que j'ai partiel de bash. Sur papier, ce qui est super cool. Alors que c'est un truc qui est... Mais c'est purement du Linux, quoi, c'est... Et c'est un peu con de le faire sur papier, mais on n'a pas le choix, en fait. Le prof, il voulait faire un partiel sur une... Comme on est par TD, il voulait faire un partiel sur tout un après-midi, c'est-à-dire qu'on a 3 TD et un groupe de TD par heure. Le problème, c'est que toutes les salles d'info n'étaient pas disponibles en même temps pour faire le partiel, donc ils n'arrivaient pas à caler les 3 TD d'affilée. Donc c'est finalement sur papier, en amphi, en dernière heure, l'après-midi. C'est super cool. Zan et Chêne Enchanteur, Loyal, elle... elfe, loyal neutre, avec une tendance très prononcée pour le pessimisme, voire la dépression. Tu aurais pu remplacer le mage parlé, je pense, non. J'ai pas trop, parce qu'en fait, le truc, c'est que je peux pas me débarrasser des deux-là en même temps. Et je crois que Montaron et Xar, ils arrivent pas à se... Merde, je tapais sur le truc. Je sais pas. On va essayer, je vais... Oh, putain, du coup, je vais faire demi-tour. Super, je fais demi-tour. Hein? Voilà, je vais refaire demi-tour. On va virer le mage et on va prendre l'autre elfe parce qu'il a l'air quand même un peu plus badass. Si tu vas à Montréal, tu irais jusqu'à quand? Jusqu'à janvier-février, je crois. 3000 ans, ouais, c'est ça, je suis immortel, j'y resterai 3000 ans. Pipelu. Mais du coup, ça va retarder l'achat de ma nouvelle tour, hein, parce que comme je peux pas partir avec ma... Je peux pas partir avec ma tour, hein, parce que ça coûte très très cher et que j'ai pas envie de faire un déménagement complet juste pour 6 mois, parce qu'il faudrait le faire 2 fois.
Je vais partir qu'avec mon petit ordi portable sans carte graphique. Et je m'achèterai une nouvelle tour, du coup, sans doute début d'année prochaine. Début d'année prochaine, début 2018. Oui, bien sûr. Voilà, hop. Car sous le coup, si tu prends pas Xan, l'épée sera juste bon à être venue, ouais, c'est ça. Ouais, 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 peut-être prendre Xan, du coup je vais récupérer tous les pare-chocs qu'il a, le montaron, parce qu'il en a plein, plein, plein. Ah non, c'est Xan. Il en a quand même masse, et je vais les garder, parce que c'est cool. C'est con, du coup, j'ai utilisé le... Ouais, c'est un peu con, j'ai utilisé le... Merde! Le pare-choc d'identification, il l'a appris. Bon, tant pis. C'est pas grave. Les identifications, je pense que je peux les faire à l'église, si je me souviens bien. Oui, je sais, voilà. C'est fait. Le bon aller-retour. C'est le groupe qui apprend ou c'est le personnage? C'est le personnage, je crois. C'est le personnage. Alors, non. Je vous remercie de m'avoir libéré, les amis. J'ai croupi trop longtemps dans cette horrible cave. Merde! Ah non! Là. C'est bon, c'est celui-là. C'est fait. C'est fait. Dommage, je ne reste pas plus longtemps à Montréal. Moi, l'été, à chaque année, je vais à Montréal voir mon frère. Bah oui, moi, ça sera l'hiver. Alors, commençons. Quelque chose vous dérange ? Pardonnez un maximum de pare-chocs à tout le monde. Et toi, tu vas servir à rien, du coup, derrière. Alors, si toi tu te barres en même temps, j'aimerais pas trop que tu te barres avec tous mes items. Vous avez quelque chose à accomplir. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Ok. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Je vous remercie de m'avoir libéré, les amis. J'ai croupi trop longtemps dans cette horrible cave. Retirez. Quelque chose vous dérange ? Ouais, donc les deux, ils partent bien. Oui ? Une tâche facile. Disparaître. D'accord, les deux, ils partent bien. C'est tellement d'endroits où j'aimerais être. Bon. Bah du coup, j'irai chercher l'entropiste. Ça peut être une bonne idée. Je vais lâcher les deux Pékins à la con, là, et puis je vais aller chercher l'entropiste. Et maintenant, où une tâche parce que j'adore facile. Les entropistes. Déjà parce qu'elle a l'air d'être mignonne et en plus de ça, bah, elle a l'air d'être assez forte. Un peu bizarre dans tous les sens, mais assez forte. La vie est tellement vaine. La vie est tellement vaine. La merde, c'est qui du coup ? Le serviteur de Dame Nature attend. Récupère tes pare-chocs, toi ? Oui, pourquoi pas ? Figure autoritaire omniprésente. La vie est tellement vaine. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Potion d'invulnérabilité. Ah oui, d'accord. Ok. La potion d'invulnérabilité, je la donnerais bien au tank. Je trouve que ça sert, je l'ai copié, tant pis. Vous avez quelque chose à accomplir ? Putain, je vais te le donner à toi parce qu'il y a moyen que ça soit plutôt badass. C'était quoi la classe d'armure 5 7 Ah, c'est pas mal. Non. Pesantine 7, et là c'est quoi? C'est 8. Ok, donc toi t'as l'arme si je me souviens bien.
Alors, on va mettre des trucs un peu paumés comme ça. Ah bah voilà, tu me dis de mettre l'arme et au moment où je le mets. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Oh putain, j'avais pas vu, mais... C'est Star Wars, son truc, hein. C'est totalement Star Wars. Ah là là. Notre quête est perdue d'avance. Mais ce qui m'énerve, c'est que je peux rien lui donner en armure. Oui. Il y a des petits buffs là, mais je sais pas trop ce que c'est. Comment on peut savoir ? Protection contre l'électricité, protection contre le froid. Ah, c'est bien ça. Et maintenant, c'est fait. Eh ben, on est plutôt bien. Hein ? D'ailleurs, j'ai pas regardé ses sorts. Nous courons tous à la ruine. Alors, il a mémorisé. Merde ! Merde. Ok. Charme personne. Sort affecte tout un individu. Ainsi, ouais, d'accord. Rien compris. Catégorie enchantement charme. Ah, vapeur colorée, ça fait des stuns. D'accord. Oui, oui, bien sûr. Ok. C'est fait. Je crois qu'il y a un personnage aussi ultra cheaté sur Baldur's Gate avec deux épées à une main. Enfin, deux sabres à une main pour être précis. Drizzt. Alors, si c'est Drizzt d'Oyrden, je crois qu'il est dans le jeu. Bah, c'est quand même important. Drizzt d'Oyrden, c'est quand même le perso des Royaumes Oubliés. Avec, comment il s'appelle, l'archimage là. Merde, ces bouquins sont horribles, c'est tellement mal écrit. Pas celui de Drizzt, hein, c'est Ra's Salvator, il écrit super bien, mais. Le mec qui a écrit oui, les histoires de l'archivage. Comment il s'appelle ? Oh merde ! Ouais, c'est Drizzt avec 2D. Hein. Oh. Bon, je sais plus, il y a un autre perso hyper important de l'univers qui est un archimage extrêmement badass. Mais je crois qu'il est pas dans le jeu. Mais Drizzt, la compagnie de Castel, du Castel, donc c'est-à-dire Bruenor, Drizzt d'Oyrden, et puis les autres, je viens de perdre leur nom alors je les connais par cœur. Je crois qu'ils font un caméo dans le jeu, d'après ce que je sais. Dans celui-là ou dans l'autre. Et je crois pas qu'ils sont en perso jouable, parce que ça serait vraiment cheaté, c'est quand même des persos ultra héroïques, tout ce que tu veux, c'est des monstres. Ah, c'est fait. On va finir par y arriver. On peut pas aller plus vite. Oh, c'est chiant. Oh, c'est tellement chiant. Alors, une tâche facile. Dans Baldur's Gate, Dark Alliance, on peut jouer Drizzt. Oh! Oh, ça peut être tellement badass. Oh, ça peut être tellement badass. Drizzt d'Oyrden. Voilà. Une tâche facile. Alors, tiens, on va discuter avec l'autre Jaco, là, Emerson, pour lui dire que c'est tranquille. Je vous sens regret de ne pas me gêner dans mon travail. Alors, faut aller voir le maire. Il faut qu'on remonte, on sorte de la carte. Ils sont pas pris du tout le même chemin, c'est super cool.
Alors, Naskel. Enfin, à côté quand même. Une tâche facile. Alors, où qu'il est le maire? D'ailleurs, je voudrais voir où est passée l'entrepiste. Où est passée l'entrepiste, tiens? Bon, bah, j'ai pas trouvé qu'il est, bon, c'est pas grave. Ils doivent être à l'auberge de Bras Amical ou alors elle doit être à Bergost. De toute façon, faudra retourner à Bergost. Alors, où est le maire? C'est toi, si je me souviens bien. C'est fatigant de traiter avec des criminels. Merde. Et maintenant, oh, shit. Passe-t-il? Je me suis un peu chié. Oui? Oui, bien sûr. Et maintenant, voilà. Où est-ce qu'il est le maire? Où est-ce qu'il peut bien être? Roturier. Minsk. Ah, bah, salut, Hero of Time. Bonne nuit, je suppose. Garnison, non, bah, il est où le maire? Où est-ce que t'es? Ne vous approchez pas, citoyen! C'était toi. Dieu vous garde si vous réussissez. Popopo. Et maintenant, oui, 900 PO. Orion serait fier de vous. J'ai perdu quoi comme objet? Peut-être la dague, histoire de cette dague. Ah, ça devait être ça. Bon bah du coup, go Bergost alors. Hein. Je suis la mort venue pour vous. Rendez-vous et la route sera moins longue. Quoi? D'accord, donc là il va falloir que je me batte contre oui. Le Pékin. Il est temps de faire tes preuves, mon coco. Évidemment, merde, j'ai oublié. Ah, je peux recharger ces trucs. La vie est tellement vaine. La vie est tellement vaine. Ah, il a été désorienté. Wouhou! Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Reload. Hein? Parce que. Oh merde! Non? Oui? On va y arriver, on va y arriver, je vous assure qu'on va y arriver. Et maintenant, où? C'est fait. Ah. C'est long de se déplacer dans ce jeu. C'est très long. Approchez pas, citoyen. Voilà. Gorion serait fier de vous. Ne vous approchez pas. Ah oui, bah c'est vrai, je peux pas dormir dans la rue, c'est vrai, je dois aller à l'auberge. Il y a toujours cette merde là-bas. Alors.
Je suis la mort venue pour vous. Rendez-vous et la route sera moins longue. Oh, nous courons tous à la ruine. Le serviteur de Dame Nature attend. Puis-je vous aider ? Pour ceux qui ont peur ! Alors, on va réessayer ça. Alors, attends, faites-toi, c'est un peu dangereux. Wouah ! C'est tout près ! Et c'est tout près ! Les bons dégâts magiques. Une tâche facile. Ne vous approchez pas, citoyen. Alors. Je suis la mort venue pour vous. Rendez-vous et la route sera moins longue. Oh, nous courons tous à la ruine. Ça fait quoi ce sang ? Toucher glacial, d'accord. Et là, c'est quoi ? C'est main ardente. Merde, c'est pas ça que j'aurais dû mettre. J'ai pas de sort d'attaque. Bon, il va rester en arrière alors. Hein. La vie est. Pourquoi pas ? Oui ? Alors, il y a tous les gardes qui lui sautent dessus, mais alors ils sont pas foutus de les tuer. Hein. Tellement cher. Mère de sûreté, mère de sûreté. Ah, elle s'est fait péter. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Je crois qu'il n'y a pas moyen de le faire sans se faire péter le furon. Hein. Je suis la mort venue pour vous. Rendez-vous et la route sera. Ah, si, peut-être quelque chose. Il s'est fait taper avant. J'essaie de me casser le plus loin possible pour l'empêcher de cast. Oh, il a explosé. Un guérisseur au plus vite. Le serviteur hurle gros. Ah merde alors, il a explosé. Rien à foutre. Le mec a fait boum. Des bottes et une épée courte, mais ah oui, c'est la nana. D'accord, c'est la nana. Ça, c'est quoi ? Familier. Oh, sort de familier. Waouh. Plutôt fun. Ok, on va garder ça. Et maintenant, une tâche facile. Je vais attendre que l'autre Pékin il arrête d'être désorienté. On va aller dormir à l'auberge. Déjà, sauvegarde. Ah oui, j'ai pas le contrôle de tous les membres du groupe. C'est tellement long les sorts de contrôle dans ce jeu. Allez. Ah, ça y est. Et maintenant où ? Ça peut paraître indigne d'une dame, mais je vais vous égorger. Vous allez voir ça. Alors, il m'attaque en plus derrière. Super. C'était pas très prévu, mais bon, on va voir ce que ça donne. Les coups, hein. Ils sont au corps à corps, ils sont pas foutus de faire quoi que ce soit. Je trouve ça assez énorme. Mes blessures sont trop graves. Je suis un homme mort. Ok. Oui, ô figure autoritaire omniprésente.
Ah là, ça y est, elle est morte. C'est fait. Oui, il n'y a plus grande discussion depuis qu'Aerostem n'est plus là, il n'y a plus personne qui parle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je suis un peu lourd. Alors. Déjà, on va passer par un dodo. Déjà bien, il y a eu un gros massacre de chez eux, mais ils s'en foutent totalement. Voilà. Alors. Capacité d'équipement pour charge éco-critique. Oh! Je suis tellement beau avec mon casque. Ah, il y a un up-leveling possible. Cool. Classe d'armure 4. Oh, ça c'est de la bonne classe d'armure comme je les aime. Vous avez le serviteur de Dame Nature à temps. Ça c'est 5. Ça c'est 4. Faudra que je vende plein de trucs. Eh. Alors, je file des items un peu dans tous les sens. Faudrait que je les regarde un peu mieux parce que là c'est un peu la merde. Ah, trop d'items pour toi. Ah, t'essayes de trouver la nana que j'essaie d'ajouter. Elle a un petit prénom, je crois. Pas grand chose. Oui, et maintenant, que se figure autoritaire omniprésente. Alors, faudrait peut-être que je vende aussi. C'est fait. Si, on n'a jamais eu de rat. Non, mon bon monsieur. Hop, de la bière. Je sais pas pourquoi j'ai acheté de la bière. Une tâche facile. Oui, bien sûr. Alors. Ah oui, il y a le. La montée en level. Prête à monter de niveau. Alors. Elle est bonne en épée courte, en arc court. Bah, je vais monter l'arc court. Non, je peux pas monter l'arc court. Pourquoi je peux pas monter l'arc court? Parce que je n'ai pas de talent. Oui, enfin, j'ai pas de points de compétence. Oui, donc c'est très logique. C'est très la logique. Alors, qu'est-ce qu'elle est bien? Détection de pièges, crustacés. On va monter à détection de pièges. Voilà. Bon, ça peut être pas mal. Oui, une tâche facile. Oh, elle a doublé en PV? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais je vais la transformer en tank, hein, ça va continuer. Voilà. Ah, elle a 16 ans constite quand même de base. Hein. Et maintenant, c'est fait. Alors. J'ai la Berry Ghost. Allons à Berry Ghost. C'est fait. La question c'est, est-ce qu'elle est encore là, la nana? Je me souviens bien, c'était par là. Sinon, elle est à bras amical, je pense. Tu sens mauvais? Comment ça? Et là, passant. Oui, c'est l'endroit. Pour vous occuper d'un vieil homme. Il s'appelle Officier Vaille, il fait partie des poils enflammés. Ne vous inquiétez pas, elle est vraiment gentille. Vous êtes le sauveur des mines de Naskel. Maman dit que si on n'aime pas les gendarmes, il n'y a aucune raison de vous laisser. Pour laisser... Ok. Tiens, aussi une pièce d'or, je. D'accord. Il y a quelqu'un qui m'attend au jongleur jovial. Mais déjà, on va s'occuper de recruter les derniers membres qui manquent. Parce que sinon, ça va pas aller. Donc, elle est pas là, c'est bien ce que je me disais. Donc, on va aller voir à l'auberge de bras amical. De bras secoureurs, comme dit la VF. Alors, une tâche facile. Ah, avec les cigales derrière, j'ai envie de pioncer là tout d'un coup. C'est bon. C'est fait. Alors, est-ce qu'elle est là? Peut-être moyen.
Ah bah voilà, elle est là. Now you come back after making me walk all the way here by myself. Well, I'll just have you. Yes. Allez, c'est hyper. En plus, c'est un sac de gemmes. Nickel. J'ai des gemmes à la con. Ça va vider un peu l'inventaire. C'est quoi cette popo? Potion d'absorption. Ok. Alors, il va falloir l'équiper derrière, hein, parce qu'évidemment... Voilà, ça va pas être... Il n'y a pas grand-chose. Robe de voyageur. Et je crois qu'elle est quand même beaucoup plus skillée au niveau des sorts. Elle a quoi? Projectile magique et... Rupture hasardeuse de Nahal. Ah oui, ça c'est le sort qui fait n'importe quoi. Ça c'est le sort bien sympa, ça fout un bordel dans les combats, c'est trop drôle. Voilà, maintenant qu'on est à 6, bon elle a pas beaucoup de PV, faudra vraiment que je me méfie. Maintenant qu'on est à 6, on va pouvoir retourner à Berigos. Bien sûr. Je tomberai de fatigue avant d'avoir le temps de m'effondrer sur le champ de bataille. Oh mais ta gueule! Il est fatigué. T'es un héros de jeu vidéo. Pas censé être fatigué, hein? Jamais fatigué. Mais vous voulez pas... Ah mais il en manque deux. Si tout le monde n'est pas venu aussi. Ah voilà. Alors... Le magicien ardent. Gerbe rouge, donc c'est à la gerbe rouge hein, qu'il y a du monde. Où est jongleur jovial? Ah, là. Faudrait que j'aille au jongleur jovial. Oui, bien sûr. On va commencer par là parce que j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt des copains là-bas. Essayer de me contacter. On va aller là-bas. L'autre, ça a l'air d'être l'indique du mec qu'on allait buter dans la mine. Il est rare que je trouve que quelqu'un a aussi peu de défauts, pourvu que ça dure. Quoi? C'était un compliment, il semblerait. Bizarre. C'était très bizarre. Oh, et l'autre crétin qui s'est retrouvé bloqué. Notre... Pourquoi pas? Voilà. Oui? Une tâche facile. Et là, passant. Je tomberai de fatigue avant d'avoir le temps de m'effondrer sur le champ de bataille. Qu'est-ce que tu veux, ça? Ah, bah voilà! Le mec dont je cherchais le nom. L'archimage super puissant. Bah voilà, il s'appelle Elminster. Il est là. Le petit caméo. Le petit caméo. Et j'arrive pas du tout à lire les bouquins sur Elminster. Il y en a plusieurs. J'ai acheté le premier. Il est tout petit d'ailleurs. C'est un bouquin de vraiment rikiki. C'est écrit, mais comme de la merde. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Il fait ce qui doit être fait. D'accord. Ah d'accord, c'était le mec qu'on avait vu la première fois. Bon. On a rencontré l'Adminster. Je vous aider. C'est quand même pas donné à tout le monde. Ah, c'est l'endroit. Votre aide pourrait m'être utile. Ah, ça me... Coupé de la porte de Baldur. Nous n'avons pas reçu d'ordre depuis près d'une semaine et pour tout vous dire, je n'aime pas du tout ça. Depuis votre tour de Nazca, les bandits sont de plus en plus actifs. Je les prenais pour de certains hors la loi avides d'argent facile dans cette période troublée, mais j'ai changé d'avis. Ils sont au service de quelqu'un. De toute manière, je dois rapatrier mes troupes de la porte de Baldur. J'offre 50 pièces d'or par scalp de bandit. Vous pouvez dire haut et fort, je veux qu'on nettoie la région avant l'arrivée de l'hiver.
D'accord. Oui, bien sûr. Non, je peux pas partir, je veux discuter. Elle est où, la nana? Je veux discuter avec toi parce que... Une tâche facile. Arrête de pousser. Puis-je vous aider? Voilà, donc c'était pour l'escalade de bandit. D'accord. C'est fait. Une tâche. Et là, on va essayer l'autre. Ça va être un peu plus compliqué, je pense. Alors. Votre fin est proche. Ah putain, il y avait encore lui. Alors. Oh, nous courons tous à la ruine. La vie est tellement vaine. Oh, c'est fait défoncer. Si vous mourrez, je vous jure que vous n'en connaîtrez pas la fin. Ah, bon, on va recommencer, hein. C'était là où je devais aller ou pas? Je trouve que c'est pas là que je devais aller, donc... La prime de veille, ok. Auberge de Feld de Poste. Pas du tout. Mais où est-ce que je suis? Bérégos pour me rendre à l'auberge de fer de poste. Forge de gronde de marteau. Nya. Non. Map. Ah, c'est là. Pas du tout. Là, c'est là où il y a un mec. Enfin, là. C'est le mec indestructible que j'arrive pas à buter. C'est le nain qui me tue toute mon équipe à chaque fois. Là, on va pouvoir faire quelque chose. Je tomberai de fatigue avant d'avoir le temps de m'effondrer sur le champ de bataille. Votre présence ne me plaît guère. Eh, c'est à vous de leur dire, Narl. Ok. Je dois voir qui. Transig. Une tâche facile. Ma femme a chauffé les oreilles. C'est à moi que vous parlez. Narl. C'est à moi que vous parlez. Je m'énerve si je veux, hein. Oh la vache, le mec il s'est vénère. On va le défoncer, vous allez voir. Les blessures sont trop graves. Tout et n'importe quoi. Voilà. Oui, c'est fait. Voilà, voilà, bon. On a acquis pas mal d'expérience, qui est cool. Sauvegarder. Donc, il y a l'indique qui traîne dans le coin. Je pense qu'il est à l'étage, mais bon. Non, c'est un serveur. Il doit être à l'étage. Une tâche facile. Je dirais que c'est lui. Ah ouais. Cherchez ennui. Je vais la randonner. Rendez-vous et votre sac. Alors. Allez, c'est y part. On va pouvoir se battre. Merde, j'aurais dû me préparer un peu mieux. Et maintenant, que se passe-t-il? La vie est tellement vaine. Vous êtes une bon, on va tenter un truc. Allez, 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 allez. Putain.
C'est fait. Raté. On va se placer correctement parce que là on n'était pas bien. Coucou, c'est nous. On dirait que ce gaillard cherche ses ennuis. Eh bien, et maintenant, je vais la randonner. Allez, c'est parti. Oh. Alors, une petite rupture hasardeuse. Oh, ah oh. La rupture hasardeuse qui a fait boum. Personne n'est vraiment là sur le live. Ouais, bah là, il n'y a plus personne. C'est pas grave, hein. Ça arrive. De toute façon, je sais que j'ai pas 500 personnes qui me suivent en permanence. Donc forcément, il y a des moments de mou, de flottement. Ça arrive. Et puis là, c'était plutôt sympa, ce soir. Pas de pitié. Pas de pitié pour les croissants. Comment il s'est pris autant de dégâts? Putain, ils l'ont tué. J'aurais dû le faire, c'était bien en plus, j'étais bien parti, j'aurais dû le dire, laisser Aviso. C'est quand même difficile de tuer. Dès que 6h44, il fait déjà voir. Bah ouais, bah... Avez-vous besoin de mes services? Il en manque pas, là. Il en manque. Il est rare que je trouve que quelqu'un a aussi peu de défauts. C'est normal, hein, si tu es dans le nord, c'est très normal même. On dirait que ce gaillard cherche ses ennuis. Eh bien, et maintenant, je vais la randonner. Ouah. Il a pris tellement cher. Ça a raté la rupture hasardeuse. Allez. Je vais avoir besoin de soins pour m'en sortir. Le serviteur de Dame Nature attend. Putain, elle s'est fait tuer avant. D'un agitateur de votre espèce. C'est fait tuer. Oui, bien sûr. Récemment, on a eu un changement d'heure, on l'a reculé. Bah ouais, mais au Québec, oui, vous avez un changement d'heure? Et nous aussi, on en a un temps de temps. On dirait que ce gaillard cherche ses ennuis. Eh bien, oui. Allez, on recommence. D'accord, augmentation de niveau de lanceur de 1, c'est cool, mais j'ai pas d'autre sort. Putain. On dirait que ce gaillard cherche un ami. Je vais le randonner. Pour ceux tombés dans des batailles justes. Oui. Alors attendez, parce que du coup... Oui, bien sûr. Je vais faire un truc un peu stupide, mais... Non, bah non, évidemment. Une tâche facile. J'allais dire que j'allais dormir, mais en fait, non. Et c'est le idiot. Le serviteur de Dame Nature attend. Déjà, on va lire. Le healer. Que se passe-t-il ? Une tâche facile. On dirait que ce gaillard cherche ses ennuis. Et maintenant, je vais la randonner. Je vais jamais y arriver, en fait. Hein. Là, il a pris cher. Je m'affaiblis. Il va
Je crois que c'est bon. C'est bon. Alors, allez vider votre sac. Je suis le messager d'un élément de Tazok. Je retransmets le message entre lui et un gros clair du nom de Mulae. Ouais, ça je l'ai buté. Soit à Valped, soit à Valdar, ça reste de la superge de bras amical. Il me paye bien, alors je ferme mon clapet. Je peux partir maintenant. Ok, ma carte est mise à jour. Allez-vous-en. Ah putain, il a raté. Oh, je dois être beaucoup plus touché que je le pensais. Nos blessures sont... Nous sommes tous perdus. Puis-je vous aider? Oui, ô figure autoritaire omniprésente. Je mets. Salut Ninja Val des gros chibres. Oh putain! Test de morale panique, c'est super, j'en ai un qui a paniqué. Toi tu vas refiler parce que t'as vraiment plus de PV, j'ai pas envie de te healer. Ouh! C'est passé! C'est passé! Alors, plein d'items. Les petites bagues, je sais pas à quoi elles servent, mais c'est pas grave. Je teste, hein. Pour des gilets identifiés, mais j'ai tellement la flemme. Ok, ça passe là. D'accord. Bon, il faudrait que j'identifie tous ces items. Allez, reviens là, c'est bon. Je sais que t'as été paniqué, mais maintenant ça va. Le danger est passé, j'ai explosé le mage. Un peu galéré d'ailleurs. Oh là là, Ninja Val... des gros chibs qui... Et qui envoie des taunts. Et maintenant, que se passe-t-il? Allez, putain. Ah, ça va. Et maintenant, où? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Plus très actif le live. Hein. Alors, fait. Trouver une petite auberge. Magicien ardent, on va y aller, ça peut être peinard. Alors. C'est fait. Vous voulez du whisky? Oh mon dieu, il y a une personne de Star Wars avec son épée laser. Ouais, c'est une sacrée épée, et puis c'est un mage en plus qui a cette épée. Allez, la suite royale à UBO, normal. On est plutôt bien. Oui, une tâche facile. Alors, le journal. Dis-moi où il faut que j'aille. Faut que j'aille à Valper ou au Bois de l'Ars. Tous deux à l'est de l'auberge de Bras Amical. Faut que j'aille du coup à Bras Amical. Une tâche facile. Là, qu'est-ce que je fais? Je devrais peut-être arrêter là pour ce soir au niveau du... du jeu. Au niveau de ce jeu-là, parce que on est à une fin de chapitre, si je me souviens bien. On est en chapitre 3. Ah non, on n'est pas dans la fin de chapitre, mais on doit pas être bien loin, je pense. On va pas être bien loin. Je pense qu'on va s'arrêter là, tout simplement. Et on va switcher de jeu. Je vais essayer de vous montrer un autre jeu qui est dans le même univers. Un autre jeu, pitié. Oh, c'est pas... pas gentil, moi j'aime bien ce jeu. Et puis de toute façon, c'est mon live. Voilà. Je vais demander s'il y a des gens, sinon je vais devoir faire autrement. Je vais aller sur le TeamSpeak. Alors, attendez deux secondes. Connected. Channel switched. Est-ce qu'il y en a qui c'est veulent un délire jouer... Est-ce qu'il y en a qui veulent jouer à... Merde. Dangereux ça. Neverwinter. Non. Ok. Bon, après, non, non, on est parti là, du coup, on n'est pas. Ok. D'accord, bon, bah, pas de soucis. Bon, tu viens, Sylvain, là ou pas, là? Tiens. Channel switch. Ok, voilà, c'était sur cette magnifique transition.
Attendez, je repasse sur Wake Up en attendant. Je vais lancer un autre jeu. Et je pense que le jeu, il va avoir un peu de mal avec... parce que je l'ai mis à fond, il est où? Où qu'il est? Il est là. Alors. Connexion, je vais lancer le jeu. Je suis pas sûr que ça passe avec le live en plus. Il y a moyen qu'il faut que je baisse un peu les graphismes. Merde, je vais utiliser ça comme ça. Voilà, je pense que le jeu est parti. Et il s'agit du jeu Neverwinter, le MMO. Et merde, j'ai cliqué comme un con. Ah, c'est bon. Ne jamais cliquer sur une fenêtre quand elle charge. Meilleur moyen de faire tout planter. Ouais. Neverwinter. Il s'agit d'un MMO dans l'univers des Royaumes Oubliés. Ça passe avec toi, tu devrais passer avec celui-là aussi. Alors, donc, j'ai deux persos actuellement. Un rôdeur archer dans les ruines de Black Dagger, donc qui est un drow. Parce que je n'ai pas de race. Parce que je n'ai vraiment pas de race et que, évidemment, un de mes persos préférés dans l'univers de Donjons & Dragons, c'est Driss Zoerden. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au tout début, j'ai quand même créé un perso que j'ai appelé Driss Zoerden. Donc le mec le plus kikou. C'était fou. Et celui-là, c'est un perso avec lequel je joue avec deux potes et on les touche pas tant qu'on joue pas ensemble, en fait. Donc je vais plutôt lancer celui-là, de toute façon je peux pas créer un nouveau perso parce que j'ai pas d'autres remplacements de personnages, parce que ça coûte de la thune. Voilà, saloperie. Donc je vais lancer celui-là, tant pis s'il est d'un niveau un peu plus élevé. Je vais montrer un peu le jeu. Allez. Oui, c'est bon. Alors, petite invoque, gagner un peu d'XP. Voilà. Alors donc, c'est un MMO type dynamique. Donc c'est-à-dire il faut pas cliquer sur la cible, tout ça, non, il faut juste viser et puis appuyer sur les boutons. Alors certes ça peut paraître un peu simpliste, et ça l'est. Hop. Je fais des trucs que vous n'allez pas comprendre si vous connaissez pas le jeu, voilà, je fais mes métiers. J'en étais où? La fin de Black Dagger Group, donc là j'ai les quêtes de groupe, et faites vos rapports au Sergent Nox. Sergent d'ailleurs, il y a une petite erreur. C'est en fil. Oui, je connais Yandere Simulator. J'ai jamais joué, mais je connais. Il faudrait que j'aille à l'enclave du protecteur. Alors, c'est un MMO donc basé sur l'univers de Donjons et Dragons, plus précisément sur la ville de Neverwinter et sur les bouquins de Neverwinter écrits par Ezra Salvatore. Robert Anthony Salvatore. Et donc, c'est un MMO où vous pouvez créer des races, enfin vous pouvez utiliser des races, des classes. Et en fait, vous pouvez vous balader dans la ville de Neverwinter et ses alentours. J'ai fait le con, pourquoi je suis passé par là? Je me cache. Vous baladez dans la ville et ses alentours pour réaliser des quêtes et sécuriser un petit peu la ville, parce que c'est le bordel depuis l'attaque de Valindra. Une liche qui a juste lâché... beaucoup de bestioles sur la ville. Ville qui prend très très cher. Je sais pas où ça en est exactement au niveau de l'histoire, mais dans les bouquins, elle se prend même un volcan sur la figure. Je sais pas si ça a suivi l'histoire. Je suis pas sûr. Tu pourrais installer et faire un live dessus. Tu dirais qu'elle pose avec les persos des filles. Hein. Je sais pas trop, peut-être. C'est pas le genre de jeu auquel je joue généralement. Je verrai. Alors voilà, donc en fait on peut se balader dans les différents quartiers de la ville. Donc il y a l'enclave du prédicteur, c'est la capitale, basiquement. La capitale du MMO, le cimetière de Neverdeath, je l'ai pas encore fait, tiens, je crois. Le quartier de Black Lake, le quartier de la tour et le gouffre, donc ça ce sont les quartiers de Neverwinter même. Donc c'est là. D'ailleurs, Baldur's Gate c'est beaucoup plus bas en fait, c'est là. Après il y a d'autres zones dans les alentours de Neverwinter, hein, donc c'est des zones généralement très connues, genre Icewind Dale qui est aussi, c'est le Valbise,
qui est aussi un jeu très connu dans le style de Baldur's Gate. D'ailleurs, il y a des jeux qui s'appellent Neverwinter's Night. Après, il y a d'autres zones, genre le mont Hotnow, c'est bah, du coup le volcan, Outre-Terre. Ah, il y a Forteresse de Guild. Donc voilà, c'est très cool, moi j'aime beaucoup parce que c'est toujours dans l'univers de Donjons et Dragons. Je suis très heureux de retrouver des trucs que je connais et tout, c'est comme d'hab. Et en plus, c'est vachement dynamique et j'aime plutôt, c'est assez rapide. De temps en temps, je me fais des games, j'avance un petit peu dans le jeu, c'est sympa. C'est plutôt cool. Et en plus, le jeu est plutôt joli et pas trop moche. Alors, donc là, on est à la capitale, faut que j'aille rendre, en fait, la quête principale, c'est... Le jeu est un peu bâti comme si tu faisais une campagne de jeu de rôle. C'est-à-dire que si je fais... C'est où ? Là... Non, c'est pas là du tout, c'est là. Ah, ça charge pas ! Charge ! Charge, mon coco. Voilà, ça y est. En fait, il y a différentes grosses quêtes qui se mènent à différentes autres grosses quêtes et qui permettent de faire une histoire. En fait, il y a une histoire, une quête principale qui se déroule et à chaque fois, il faut aller sur différentes zones. Voilà, et donc là, actuellement, je vais en finir une. Et il faut que j'aille rendre la quête principale au Sergent Nox qui, en fait, lui, me donne les quêtes, la suite des quêtes. Voilà. L'enclave du protecteur a besoin de votre aide. J'ai beaucoup de quêtes en fait. Heureusement que nous vous avons envoyé là-bas. C'est déjà. Ok. Alors la devinerait c'est quoi? Chambre forte. Je cherche les quêtes où il faut que j'aille. J'ai un ami parmi les prêtres Dogma qui m'a informé de l'existence d'objets magiques aussi en. Oui. Neverdeath nous cause encore des problèmes. Oui. Vous êtes bien gentil de venir me Allez voir. Au cimetière Neverdeath. Alors, ça, c'est la suite des grosses quêtes. On va aller à Neverdeath. C'est y part. Donc, c'est la nouvelle zone. Je vais voir ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que la ville est quand même vachement grande parce qu'ils arrivent à mettre plein de trucs, plein de zones différentes juste dans cette ville. Alors que dans les bouquins, elle a pas l'air d'être si immense que ça. Alors, cimetière Neverdeath, il y a des petits bugs d'affichage, généralement, je sais pas pourquoi. Alors, Neverdeath, oula. Wow, changement d'ambiance. Ok, on va aller parler à Joe Jaco. Que Kelemvor veille sur vous, merci alors. D'être venu. Bien qu'il me peine de l'admettre. Ah oui, le jeu est doublé, c'est ça qui est vraiment cool. Les gardes mortuaires de Kelemvor ont besoin d'aide contre les morts vivants. Ah bah oui, du coup, le cimetière, forcément, et l'autre Valindra qui s'est ramené avec son armée de morts vivants, c'est une liche, c'est une mage liche. Bah, elle peut résurrecter plein de monde. La quantité D'accord. de morts vivants dans le cimetière augmente à une vitesse alarmante. Si rien n'est fait, il risque d'envahir la partie restante de Neverwinter. J'ai envoyé un détachement de gardes mortuaires vers le champ de l'indigent pour les contrer. Leur chef, Séverin, a envoyé un acolyte pour m'informer qu'ils étaient sur le point de descendre vers la faille. Ok. Mais nous ne savons rien. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres quêtes un petit peu partout. Alors, nouveau camp. Nous devons mettre un terme à ce qui se passe au recul. Les nouveaux cultistes s'affairent à obtenir l'aide des dragons. Alors non, ça c'est pour les quêtes annexes des extensions, d'accord. Vous ai-je dit que je réécrire l'histoire. Ami qui m'a embauché. Je veux dire, qui m'a demandé de l'aider à prouver sa lignée. De peur que des rumeurs et calomnies l'empêchent de faire un bon mariage. Malheureusement, il semble que certaines personnes soient si déterminées à calomnier mon ami qu'elles ont modifié les dates de naissance et de mort sur plusieurs pierres tombales afin de discréditer sa noble extraction. Vous semblez être une personne capable et entreprenante. Peut-être que vous pourriez m'aider en rectifiant les noms qui figurent sur certaines de ces pierres tombales.
Ouais, je suis pas trop... C'est pas très gentil, ça. C'est un don que je t'ai connu grâce à Sport. Je voudrais regarder une série sur Sport. J'en avais deux, déjà deux séries de Sport. Mais il y a trois séries qui existent, plus une en live. Enfin, des morceaux de live. Mais tu peux aller voir, il y en a plein. Alors, la clé de Bill. L'aide de quel... J'ai si peur pour Séverin et les autres. Dites-moi, nous avons détecté des créatures envers la faille qui n'étaient pas des morts vivants. Séverin suspecte qu'elle puisse être à l'origine de l'arrivée massive de morts vivants et a voulu enquêter. Il m'a envoyé informer de ses mouvements en Volac, le garde mortuaire. Mais c'était hier et nous n'avons pas de nouvelles depuis. Bon, bah, va falloir trouver les gens. C'est Tipper. Pas tomber dans le trou. Ah, c'est tout cassé. Grâce à ta série, j'ai compris la phase galactique que je fais jamais. Ah bah oui. Bon, la phase galactique, au bout d'un moment, j'en avais marre. C'est surtout pour ça que ça me saoule le jeu, c'est que je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois, je l'ai fait trois fois, et au bout d'un moment, bah voilà. Ça m'énerve quelque peu. Là-bas, il y a l'air d'avoir quelque chose. Ah, corriger une pierre tombale. On va corriger les pierres tombales. Oula. Il y a quelques bestioles. Ils sont solides comment ici? Oh. D'accord, ça permet de reculer ça. Voilà. Petit pare-chaud d'identification, des enchantements pour enchanter les armes et armures. Dès que je le fasse d'ailleurs, j'oublie toujours. Les sauts de nécromanciens. Ah oui, c'est la monnaie de la zone. Et chaque zone a une monnaie ou presque. Ça doit être la monnaie de la zone. Putain, c'est un bordel mes sacs. Ouais, c'est ça, c'est une monnaie. Cool, c'est pour acheter les items de zone généralement. Coucou. Oui, mon cheval il disparaît et il réapparaît comme ça par magie. C'est le meilleur cheval du monde. Ça permet de reculer ou de rester bugué dans un mur. Ça aussi, ça arrive. Oui, oui. Le jeu a quand même quelques bugs. Il n'a pas un suivi hyper puissant à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il est déjà bien. Pour un MMO type coréen, je trouve qu'il est vraiment bien. Il a pas trop de prétention. Oula, j'ai pas vu, mais il y avait du monde. Merde, c'est pas lui que j'aurais dû viser en prio. Lâche-moi. Voilà. Oh merde. Lâchez-moi. Il reste une pierre tombale ici. Alors, ça c'est fait. Maintenant, je dois aller où? Aller à la faille. D'accord, je suis pas du tout au bon endroit. C'est pas grave. Oula. Shit. Alors là, ce que je vais faire, on va aller vite. Non, merde, ils m'ont fait down. Ça fait tellement mal. Bon, après, c'est des trash mobs. Hein, et je suis pas censé avoir des problèmes là-dessus. Je suis pas dans un donjon parce qu'il y a des donjons. En fait, il y a des donjons un peu spéciaux. Il y a des instances où il y a une histoire qui se déroule. C'est un petit donjon à faire. Et il y a les gros donjons, les escarmouches à faire où là il faut être un peu plus nombreux parce que c'est quand même plus difficile. Ah, et donc c'était ça. Voilà, ça c'est une instance. J'aurais dû aller rendre l'autre quête, c'est pas grave. C'est une instance ou c'est l'autre? Ah si, je pense que c'est une instance. Et en plus ce jeu est vachement bien parce qu'il y a tout un éditeur qui est extrêmement puissant pour faire ses propres campagnes et quêtes.
C'est monstrueux. On peut faire ses propres ondes, on peut faire plein de trucs. Il n'y a plus de garde mensuaire. Oula. Alors on va passer en mode corps à corps, parce que j'ai deux modes en fait de jeu. J'ai le mode corps à corps et le mode... Avec différentes techniques évidemment. En fait j'ai deux jeux de techniques. C'est ça qui est cool. Escarmouche égale raid ou il y a des raids en plus? Il y a des raids en plus. T'as les escarmouches à 5 et les raids derrière. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Bon, et on saute toujours comme des débiles, hein. Bon, ça s'appelle un MMO. Et je n'ai jamais vu un seul... Vous souffrez d'une blessure mineure. Waouh, j'ai pris une blessure. D'accord, je souffre. Si c'est deux blessures mineures au même endroit, la blessure devient sévère. Oui, je sais. Utilisez des bandages ou restez près d'un feu de camp durant 5 minutes. Oh putain, en ce moment... Arrête pas d'éternuer. Ouah. Voilà. Il y a du monde là-bas. Équipement abandonné. Un sac à dos, machin. Le magicien rouge a utilisé un rituel des ombres pour nous empêcher d'invoquer la puissance de Kaimbor. J'ai entendu dire à ses serviteurs Knoll que nous allons être emmenés à notre section de Neverdest, près de l'immémorial du soldat. Le magicien a emmené Séverin, le garde mortuaire, dans la crypte à proximité et j'ai entendu ses cris jusqu'ici, puisque Kaimbor nous octroyait la force. Ouais, si c'est un magicien rouge qui a récupéré un... c'est vrai, il est mort. Hein. Les magiciens. Merde. Merde. Crétin. Voilà. Moi, je suis plutôt strong. Hein. C'est assez fort comme classe. Ah là c'est un vrai donjon. Non en fait non, il est trop petit pour un vrai donjon. Merde. Voilà. Ça c'est pour les métiers. Faire gaffe, il peut y avoir des pièges. Là, ça sent bien les pièges là. Une ligne droite comme ça, c'est jamais. C'est jamais cul. C'est quoi ces œillets merveilleux? C'est des monnaies, non? Objet spécial. Pas que ça sert, faudrait que je me renseigne. Oh, comment tu pousses les pots? Hop, en plus ils disparaissent. Ah. Magicien rouge de thé. Ah là, les magiciens rouges. On en a croisé, hein, dans Baldur's Gate. Hein. C'était les mecs qui se peignira. Merde, faut que je me décale. Viens là. Ouf. Et bim. T'as pas aimé. Club de fin de quête. Alors, le garde mortuaire. Ces magiciens doivent être arrêtés. Merci. Je ne sais pas combien de temps j'aurais pu tenir. Mes compagnons ont aussi été capturés par les Taïens. Je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Ah d'accord, ça se dit Taïen. Donc du coup c'est Taï ou Taïen. Bah je sais. Taï, Taï, Taï. Ils disent Taï en anglais, du coup. D'accord. On va rentrer.
tout cimetière. J'espère que votre prochaine blessure sera... Tiens, il a dit quoi mon compagnon là? J'espère que votre prochaine blessure sera unique en son genre. Ok, d'accord. Alors... Que Kelemvor veille sur... Dégnol, vous dites, bon, les Taïens n'ont jamais beaucoup discriminé en matière de laquais pour... Ok... C'est cool. Les morts vivants et les mourants. Je pense que les magiciens rouges attirent les prêtres de Kelemvor vers le champ de l'indigent, exprès pour les capturer pour leur rituel. Grâce à notre connexion spéciale avec les morts, le fait de sacrifier l'un de nous devrait rendre leur rituel bien plus puissant. Le journal que vous avez découvert appartient à Awen, le garde mortuaire. Si elle a raison, mes camarades restants sont en route vers le mémorial du soldat. Pour le bien de Neverwinter ainsi que le nôtre, il faut les sauver. Ok. D'accord. Alors, on va rendre l'autre quête. Ah, il y a une autre quête qui s'est débloquée. Bon, rendre l'autre quête, je vais désenchanter tous mes trucs. Enfin, je vais... Vous ai-je dit que je suis un... Ce sont d'excellentes nouvelles. Ok. Avec ces changements, ces rectifications, plus rien ne s'oppose à l'entrée de Mademoiselle ouais. Monini dans la noblesse. Je lui ferai un rapport... C'était pas très clean tout ça. ...sur sa base extraction, ce seront définitivement tués. Je suis en train de me soigner, je vais... Invoquer quand même. Ah oui, c'est vrai, les invocations, ça me fait des trucs. Alors l'invocation, ça se fait tous les certains temps et ça permet de gagner un peu d'XP, des petits bonus et des trucs sympas. Mais du coup, mon sac est complètement plein. Il va falloir vendre. Alors. On va virer des trucs qui ne peuvent être vendus. Ça sert à rien. Oui, j'ai oublié un loot sur le sol, mais en fait, je prends pas tous les loots. Il y a des trucs qui servent à rien. Déjà, tous ceux qui sont rouges, ça me sert à rien. Alors, ça plus 82 de défense, non, c'est pas ouf. Même s'il y a un emplacement d'attaque, ou l'enchantement, c'est pas ouf. Ah, j'ai encore des sacs. Voilà. J'ai tellement d'enchantements, il faudrait que j'utilise. Non. Alors, ça je vends, je sais pas comment, je peux pas m'en servir et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup. L'été vert, ouais mais s'il est vert avec fond rouge, c'est que je peux pas utiliser. S'il est vert avec fond gris, c'est que je peux utiliser. Trier. Je vais virer le truc à 1000 points de vie. D'items, beaucoup trop d'items. Sac de confetti lié, ça me sert à rien. Ah bah attendez, on va les utiliser. C'est stupide, mais on va les utiliser. Piu. Piu. Alors, l'équipe de blessures mineures, c'est pour soigner les blessures, parce que du coup, j'en ai une. Hop, c'est sur un. Ah, j'ai un parchemin de téléportation lié. Ok, bon. Je pense qu'on est bien. Alors, la quête. Faut dire aussi, quand je joue à MMO, je suis un vrai nain, je prends tout ce qui passe. Oui, bah ça m'arrive aussi. Donc le pire, c'est sur les hack and slash. Je prends tout, tout. Nous devons veiller éternellement sur les tombes. Les alliés de Valindra, les magiciens rouges de Day, réaniment les morts en grande quantité. Ceci est une abomination aux yeux de Kelemvor. Le sol sacré de ce cimetière a été corrompu par les vils rituels de ces magiciens rouges. Le fait de reconsacrer cet endroit ne les arrêtera pas, mais au moins, ils s'en trouveront ralentis. Prenez ces bannières et plantez-les au nord, au sud et à l'ouest du champ de l'indigent. Le pouvoir de Kelemvor purifiera la zone. Cela forcera aussi les morts. Les prêtres de Kelemvor veillent sur les morts et les endeuillés. Lorsque nous faisons face à des morts vivants, nous essayons d'utiliser les pouvoirs de Kelemvor pour les renvoyer vers leur sommeil éternel. En ce moment, cependant,
Il y a tant de morts vivants que nous avons du mal à tenir notre position ici. Si vous allez dans le champ de l'indigent, je serai contraint de vous demander de détruire tout mort vivant que vous trouverez afin que nous ne perdions pas d'accord cet endroit. C'est hyper. Heureusement que j'ai un canasson parce que sinon ça aurait été un peu long. Donc il y a les morts vivants. Il faut que j'aille consacrer les champs. Là-bas, je crois qu'il y a une consécration à faire. Oh là, merde. Boum. Oh là, petit rollback. Ça arrive de temps en temps. Là-bas, il y a une bannière. Ouais. Quoi ? Quand c'est bien placé, ça explose tout. Je crois qu'il y en avait une dernière là-bas. Ouais, je la vois. Voilà. Ah oui, mais là, il y a un. Ah oui, encore masse-monde. Non, il faudrait le... Bim! Un tel massacre. J'ai même monté de level. Voilà. Alors, up leveling. Nouveau talent. Nouveau point à mettre dans les talents. Qu'est-ce que j'ai? Petit squad base. Ah oui, j'en ai besoin. Donc j'ai besoin de mettre un point là-dedans. Ah oui, je peux pas encore le monter au grade 4. Ah. Et celui-là, la pluie. Ah, la pluie, je peux la mettre. Ok. Ça va, le jeu se télécharge relativement vite. Je vais bientôt savoir si je me reste impatient sur ce jeu. Bah ouais, sympa. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ah oui, mais j'ai oublié de monter le talent. Je peux pas encore y passer la parangonique. Il faut encore que je monte quelques trucs. Alors. Donc tuer des zombies, reposer en paix, il faut que j'aille en... à la fin. Sud. Et non, mais je vais passer par là. Ouais. Voilà. Voilà. Ok, il me reste quoi à faire là, sur cette partie-là ? Reposer en paix. Consacrer le champ nord. Consacrer le champ sud. D'accord. Il va falloir les tuer. Voilà. Ah bah j'ai raté consacré le champ nord, il va falloir que j'aille tuer tout le monde. C'est bête. Ah, il y a un truc ici. Là, j'ai pas de kit de religion.
Un autre violet, ouais, mais c'est des faux violets de l'arnaque. En fait, c'est des coffres qu'il faut payer pour les ouvrir. Il y en a plein, c'est très chiant. Heureusement qu'ils sont stackables, sinon ça foutrait un bordel dans mes sacs. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai obtenu un item, un phylactère de Luigi. D'aventurier. Vous n'avez pas ramassé une babiole, mais le phylactère de Zarifrax, la toute puissante liche. Maintenant, préparez-vous pour une bataille acharnée. Vous savez, je n'y comprends pas grand-chose. Permettez-moi d'être franc avec vous. Je suis fatigué de la bataille épique du bien contre le mal. J'ai contrôlé les morts vivants que vous avez détruits. Et si je pouvais trouver un joli coin tranquille où mon phylactère ne serait pas dérangé pendant quelques centaines d'années. Énorme. La liche qui en a tellement marre de se faire défoncer par des héros qu'elle finit par des héros. Faites chier, hein. Si vous pouvez me trouver un coin sympa, ça pourrait être sympa. Si, ça pourrait être bien. Énorme. Là, vous voyez que c'est plutôt cool comme idée. Allez, je vais lancer mon pouvoir quotidien, ça va faire mal. Boum. Un peu en retard le jeu là, j'ai l'impression. Voilà, ça y est. Maintenant je dois ramener où le phylactère de la liche? Là-bas, d'accord. Bon, c'est pas cool. C'est pas loin, donc allons-y. La bonne liche qui en a tellement marre de se faire poutrer la gueule qui a décidé de se barrer. Non, ça ne va pas du tout. Les gardes mortuaires sont venus ici. Je peux encore sentir la moralisation suffisante de leur rituel dans chaque pierre. Comment sommes-nous arrivés à ce que Kelemvor, le dieu qui est les morts vivants, devienne le dieu de la mort? Je pense qu'il faut blâmer Ziric. Jergal. Ça, c'était un dieu de la mort. Bien sûr, pas les Myrkules. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette quête. Apprends des trucs sur la vie de la liche. Ses petits avis. Bon, techniquement, on s'entend pas un peu, mais bon. Alors, là-bas peut-être? En fait, ils sont pas très forts ces magiciens rouges de terre. Pour moi, les magiciens rouges, c'est des mecs plutôt costauds. Non, non, non! Cet endroit est encore pire! Les Taïens trouveront sûrement mon phylactère ici. Je devrais alors soit enseigner à de jeunes assoiffés de pouvoir nécromanciens, ou devenir un laquais de Zastam, ou même finir par essayer de raisonner avec Valindra Shadowmantel. Maintenant, ne vous méprenez pas. Oh, le doublage. Pas. Je respecte le dévouement de Valindra au mal, mais cette femme n'est tout simplement pas bien dans sa tête. Non, cet endroit n'est pas bon non plus. Essayons un autre endroit. Alors Zastam, c'est une archiliche. C'est un des grands magiciens de Tay, je crois que sont 12, et c'est une des grandes, un des grands magiciens, et c'est vraiment un mec ultra badass, c'est un monstre. Et Valindra Shadowmantel, c'est celle qui attaque Neverwinter, c'est une liche qui est devenue complètement tarée après la mort de son amant, qui était aussi une liche, c'était une ex-ménachienne, puis maintenant c'est devenu une liche, puis c'est un bordel. Oh, il y a quelque chose, quête de nature. Tu pourrais jouer un petit jeu calme pour la fin de la journée. J'aurais pas dû le prendre, c'est de la trash. Bah en fait j'ai pas de petit jeu calme. Parce que je joue jamais à des jeux calmes. C'est vrai en plus. Je trouve que c'est plutôt calme comme jeu. C'est pas non plus ce qui est le plus énervé. Du coup je trouve que ça va. Après, c'est vrai que j'ai pas vraiment de jeu calme.
Ah, qui des arcanes. Ça, j'ai encore pris un trash. Qu'ont-ils fait de cet endroit ? Cela aurait été un emplacement idéal. Vue imprenable, bel édifice. Et maintenant, regardez-le, ruiné. Je parie que cela a été fait par un aventurier avide à la recherche de quelques pièces d'or ou d'une quelconque épée magique. Je vous le dis, il n'y a plus aucun respect. Si, j'ai Minecraft. Été à la recherche de l'endroit parfait cool. Durant une dizaine d'années et apparemment il n'y a aucun endroit tranquille, surtout Féroun. Eh bien, ça y est. Féroun. Je suis fait. Il dit Féroun. Je voir un garde mortuaire qui me détruise. Je ne veux plus continuer de vivre sur cette. Putain, j'ai toujours dit Faerun. Non, il dit Féroun. Bon, Faerun, c'est mieux. J'ai Minecraft, oui, j'ai Minecraft, mais je sais pas trop. Je pense que je vais le réserver pour un live spécial Minecraft. Je vais remonter auprès de Ran. Je pense que je vais directement se remonter auprès de Ran. Je ferai un live spécial Minecraft, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué et j'aimerais bien le redécouvrir un petit peu. Voir quels ont été les changements, si ça me plaît, si ça me plaît pas. Très longtemps que j'y ai pas joué. Que j'ai arrêté d'y jouer. Pourtant j'y ai joué pendant très longtemps. Beaucoup. Kelemvor par l'épée de Kelemvor. C'est le phylactère d'une liche. Un puissant mage mort-vivant. C'est un miracle qu'il n'ait pas essayé de consommer votre âme. Nous autres gardes mortuaires, nous nous efforçons de détruire les morts-vivants. Mais dans le cas d'un esprit aussi puissant, cela peut s'avérer impossible. Heureusement, nous avons construit une chambre impénétrable, dans un endroit sûr où nous enfermons ces démons pour des siècles. Curieux. Je jurerais que l'esprit à l'intérieur est en train de rire. Il doit être fou. MDR. Si je me souviens bien, ils sont rendus à 1.9. Ouais, moi j'ai arrêté la 1.5, un truc comme ça. Mais sauf qu'ils ont mis. Je crois que je sais qu'ils ont mis un ou deux ans à chaque fois entre chaque mise à jour, du coup. Merci. Cette réduction des effectifs voilà. Vivants devrait alléger la pression pour le moment. Quelle heure il est ? 23h30 ? Ouais, on va. Je vais aller essayer de faire la quête, puis je pense qu'on va conclure le live. Parce que on est à 3h de live, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'aimerais bien essayer de me coucher tôt, histoire de me lever tôt demain matin, faire tout ce que j'ai à faire, et ensuite bosser. Parce que c'est pas comme si j'avais procrastiné comme un connard pendant longtemps, et presque. Bah, Minecraft est égal à lui-même, toujours aussi cubique, quoique depuis la 1.7, ils ont enchaîné assez rapidement les mises à jour. Ah bon ? Moi je me souviens d'avoir pas vu passer de mise à jour pendant très longtemps, ça m'avait saoulé en même temps, et puis j'avais l'impression que les mises à jour étaient pas très conséquentes non plus, je veux dire, les mods ajoutaient beaucoup plus. Du coup les mises à jour en elles-mêmes, elles apportaient pas grand-chose finalement. Et je sais pas, je me reconnais plus trop dans le jeu. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Peut-être que si j'y réessayais, je finirais absorbé. Puis surtout, il y a la commu. La commu, maintenant, elle a beaucoup évolué. Parce que moi, j'ai grandi. Et la communauté a gardé le même âge. Du coup, voilà, c'est pas ouf. Quoi ? Stonehammer, le garde mortuaire mort-vivant ? Ah bah, c'est con. Il est passé du mauvais côté du coup. C'est stylé cette évasion, moi je trouve. C'est particulièrement stylé. Je sais qu'une mise à jour sur Minecraft c'était nul. Ouais, il y a eu pas mal de mises à jour qui avaient fait un peu hurler tout le monde. Je crois notamment la mise à jour sous-marine, parce que je m'étais renseigné un petit peu quand même. La mise à jour sous-marine, bon, ils ont pas rajouté énormément de choses non plus. Brûler les morts. Détruisez le cadavre de Falstaff. Ouais, parce que sinon il va revenir. Allez, d'accord.
Oh merde, j'étais dos au mur. Évidemment. Alors là, il y a quoi à faire? Ah, il faut trouver tous les gardes mortuaires. Comment ça? Ok. J'ai raté mon tir, c'est pas grave. Alors là, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Yes. Il est là. Je ne vois rien. Dommage. Merci d'avoir mis fin aux tuiles. Ils nous ont forcés à regarder l'heure qu'ils trompent. Je dois y aller. Et me voir ma peine vers mon repos. Et mon corps pour que Valindra ne puisse en faire usage. Oui. Allez hop. Pour les corps. Sinon ils vont revenir en mort-vivant, ce qui est quand même un peu ballot pour des chasseurs de mort-vivants. Ah oui, d'ailleurs il y a le trailer de La Momie, le premier film du renouveau de Warner, qui essaye de faire un univers de films de monstres, avec si possible mettre Van Helsing au centre. Et il y a donc La Momie qui a eu son trailer a été dévoilé et il est plutôt cool, même si il y a des trucs un petit peu bizarres, notamment Tom Cruise qui se réveille tout d'un coup. Putain, je vais me faire défoncer. Mais je dois dire que il a pas l'air, ça a pas l'air d'être un film de La Momie comme ce qui avait été fait avant. Du coup, pourquoi pas? Parce que bon, moi les films de La Momie, c'est considérer ça plutôt comme étant des films d'horreur, et les films d'horreur, j'aime pas ça. Parce que je suis une vraie lopette. Ah mais reste-toi. La Momie. Et donc là, ça a l'air assez, ça fait plus blockbuster en fait. Bon, après, on aime, on n'aime pas. Dire que je préfère ça à un film d'horreur parce que... Ah ? Je te fais un massacre. Toujours. Ah, il est encore en vie. Il y a un coffre. Après, faut plus jouer aux équivalents de Minecraft en plus RPG, genre Portal Knights, Planet Explorer, Blockscape, Cube World, etc. Ah, Cube World, je l'ai acheté day one. Qu'est-ce que je me suis fait enculer, du coup? En fait, je sais pas trop, parce que je suis le Twitter de Wallet, le mec qui fait Cube World. Qui s'est d'ailleurs fait beaucoup insulter pour avoir fait un jeu et puis avoir disparu un petit peu derrière. De temps en temps, en fait, il revient, il poste plein de trucs tous les jours en disant « Ouais, il avance, il poste plein de photos. » Et il n'y a jamais de mise à jour. Le jeu n'a pas eu de mise à jour depuis 3 ans. C'est chiant. Pourtant, il en a plein. Le jeu est énorme entre ses mains, mais alors nous, on n'a rien à foutre. Non, si, je ne sais pas. Je suis blessée, terrorisée. Et j'ai honte d'avoir douté de Kelemvor. Avez-vous trouvé les autres? Il me reste un garde mortuaire à trouver. J'espère que votre prochaine mission sera unique en son genre. Oula. C'est jamais bien quand un portail s'ouvre comme ça tout seul. La Planet Explorer, ça a aussi un petit côté Star Wars en prime, je trouve. J'ai jamais joué à Planet Explorer. Alors j'ai fait tout le tour alors que j'aurais pu aller sur la gauche.
Je suis quelqu'un de très intelligent. Oula, là, ça sent le bordel. Une grande salle comme ça. Ça sent le gros bordel. Ah merde, c'est vrai que j'étais en mode... Ah, c'est que décalé. Coucou. Alors... Je vous dois la vie. Avez-vous trouvé les autres gardes mortuaires ? Je devrais quand même être reconnaissant que certains d'entre nous aient survécu. C'était un piège. Les Taïens nous ont attirés vers la faille et nous ont piégés là. Valindra voulait notre sang pour alimenter ses rituels et faire des prêtres de Kelemvor ses jouets. Lorsque la voie okay. sera libre, je rejoindrai Polak. Je sens le pouvoir de revenir. Sortons d'ici. On se casse. On va rentrer en la quête. Tiens, je peux envoyer mon compagnon en entraînement parce qu'il peut monter de niveau. Allez, vas-y, go. Parti pour une heure. Fait des bruits. C'est un bordel cette ville quand même. Que Kelemvor veille sur vous. Nous devons mettre fin à ce blasphème. Il faut arrêter. Oui. Oui, oui, oui. Bon, alors, hop, on va se déconnecter gentiment. Pouf. Changement de webcam. Je regarde très les jeux pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble. Alors attends, je vais regarder. Planet Explorer. Ladies and gentlemen, it's been a long time coming. As the first humans to ever venture out this far into the frontier, I cannot emphasize how proud I am to have made this journey with you. Separation complete. I look forward to us building a new home together. We are going for Amistar Gentrybird in 3, 2... All quarters, evacuate the ship! Ah ouais, je l'avais vu ce jeu, je crois. Ah, peut-être pas. Ah si, peut-être. Ouf, bon. Ça me l'air un peu bizarre quand même. Oh, 23 balles quand même. Ça m'a l'air un peu bizarre. Attends, je vais regarder. Je crois qu'il y a une vidéo de Epic Voxel. C'est du voxel. Genre c'est du voxel où est-ce qu'on peut creuser, je suppose. Non, le voxel sert à rien. C'est bestiole. Ah, Data Plan sympa.
En fait, tu peux créer des véhicules. Ok. Vous savez, ça me fait penser à un autre jeu. Ah, il y a une dernière vidéo. Voilà, un peu longue, tant pis. Ça me fait penser à un autre jeu. EverQuest Next. Landmark. Non, pas du tout, EverQuest Next. Si, c'est, ça s'appelle Landmark maintenant. Je l'ai déjà. Est-ce que je l'ai encore? Parce que la question... En fait, à la base, c'était censé être la suite d'EverQuest Next. C'était censé être un MMO, un MMORPG avec des créations, enfin, tout un éditeur, tout en voxel, avec un éditeur extrêmement poussé de création de bâtiments. Et du coup, ils avaient fait un premier jeu qui s'appelait Landmark, où il y avait juste l'éditeur et très peu de composantes de RPG. Et donc, on pouvait creuser dans la roche, créer des structures, des trucs vraiment épiques. Et en fait, ils étaient censés ensuite derrière faire le jeu, le MMO avec des classes, des trucs comme ça, et des créations qui auraient été incorporées de Landmark dans le jeu. Et donc le jeu aurait été entièrement destructible, ça aurait été vraiment badass. Sauf que finalement, tout a capoté. Donc il n'existe que Landmark. Voilà, que j'ai. Et qu'il faudrait peut-être que je fasse des vidéos dessus, parce que le jeu est quand même cool. Même s'il est très compliqué à prendre en main, il est quand même très cool. Et l'outil de construction est tellement puissant dans ce jeu, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Merde, que dire d'autre? Je regardais un truc. Rapidement, deux secondes. Il n'y a plus personne sur le live. Vraiment plus personne. Enfin, voilà. Bon, bah, c'était quand même bien sympa, ce petit live. Bon, évidemment, il n'y a toujours pas grand monde, mais bon. Ça, de toute façon, c'est assez récurrent. Et je m'y fais très bien. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, hein, bon. Oui, je sais que tu es là encore, mais il fait 13. De toute façon, il reste 3 personnes sur le live, donc c'est moi, Carrigan, et toi. Voilà, voilà. Quoi dire. Bon, je vais peut-être tout éteindre, aller me coucher, lire un petit passage de The Witcher, tome 6. Parce que je l'ai laissé en plan, là, cette semaine, alors que je l'aime beaucoup. Petit bouquin là, enfin petit bouquin, il y a 600 pages quand même, et j'aime beaucoup, même si je me pose des questions, parce que dans ce bouquin il y a Ciri qui s'est pris une putain, Ciri, donc faut connaître l'univers de Witcher, mais c'est, disons entre guillemets, la fille de Geralt, le héros de, bah, le sorceleur quoi, elle se prend un putain de coup d'épée dans la joue, elle est défigurée à mort, mais ça se voit pas dans les jeux, du coup je me pose la question, c'est est-ce qu'il y a pas un petit peu de magie derrière tout ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à dans... Ben non, pas dans une semaine. Peut-être. Attends, je vérifie un truc. Parce que le week-end prochain, c'est les vacances. Donc je rentre chez moi, donc je n'ai plus la fibre. Mais est-ce que j'ai pas possibilité de faire un petit live un soir? Donc jeudi soir, non, parce que j'ai raclette des potes. Peut-être vendredi soir. C'est possible vendredi soir, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. On verra bien. De toute façon, je ferai une vidéo. Hein. Mais je suis pas sûr, c'est quand même le soir des vacances. Des vacances scolaires, donc peut-être qu'il n'y aura pas grand monde. Je sais pas. Peut-être qu'en fait, justement, il y aura plein de monde, mais je suis pas sûr. Elle a le sourire de l'ange. Non, elle n'a pas juste. Enfin, elle n'a pas le sourire de l'ange, elle a juste la joue arrachée. C'est tout. La joue arrachée qui a été remis un peu tant bien que mal. Voilà. Voilà, voilà. La fille adoptée est surtout la fille du roi, je ne sais plus lequel. C'est la fille de la reine de Sintra. C'est la fille de la reine de Sintra. Non. La petite fille de la reine de Sintra. Et donc, du coup, ça fout un bordel pas possible parce qu'il y a l'empereur machin qui veut récupérer. Ciri pour pouvoir l'épouser, pour pouvoir avoir la mainmise légitime sur Sintra, et en même temps c'est celle qui possède le sang ancien, donc c'est la plus puissante des mages entre guillemets, en tout cas celle la plus de capacité, donc Ciri c'est un bordel. Ça, d'ailleurs je me demande dans les jeux, est-ce qu'ils lui font avoir des relations amoureuses, parce que dans les bouquins elle est lesbienne,
Elle est lesbienne justement parce que les mecs dans les bouquins c'est plutôt type inceste pédophile donc c'est pas des gens très sympas. Et puis les nanas aussi d'ailleurs, c'est pas des gens très sympas non plus. Je me demande. Faudrait que je fasse les Witcher. Mais en tout cas, l'univers décrit par Andrei Sapkowski dans ses bouquins est quand même vachement cool donc j'aimerais bien les faire mais je pense que ça attendra mon prochain setup où je pourrai jouer en 60 FPS à fond. À fond, ça va être trop bien. Ça va être trop bien et même possible que je fasse des vidéos dessus, même si ça a déjà été fait. Voilà, voilà. Bon, je suis en train de finir mon live, mais c'est pas grave. Je suis censé partir. C'est pas grave. Voilà, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout, vous deux, et puis je remercie à tous ceux qui regarderont la rediff, qui arrivera demain sur ma chaîne. Voilà, voilà. Sur ce, portez-vous bien. Et quant à moi, je vous dis soit à la semaine prochaine, soit au premier week-end de janvier. Donc pas celui du 1er janvier, bien sûr, mais celui d'après. Voilà, voilà. Bonne nuit à tous. Et voilà. Salut tout le monde.